Bonsoir, troisième jour sur la bêta de The Division 2. Depuis hier est ouvert le contenu Endgame. On va aller le tester ce soir en compagnie d'Auron. On n'a pas encore du coup découvert les trois spécialisations du Endgame, qui sont le survivaliste, la destruction et le sniper. Donc on va essayer de balayer un petit peu ces trois SP pour voir un petit peu le gameplay que nous propose ce endgame. On retrouve donc Monsieur Auron. Bonsoir. Non. Non, d'accord, très bien. Non. Non, non. Non, non, non. Hmm? Attends. Alors. Charge. Ah oui, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui. On va se tester le endgame si ça te tente, monsieur Duck. C'est incroyable, c'est pour ça que je suis venu. Le mec est trop fort. Ouais. Surtout lire. Messenger. Mais avant cela, je vais terminer le plat préféré de Auron. Ah, la raclette. Dont je n'ai pas le droit de prononcer le mot. MPX. D'accord. J'ai pris le Demolition Man. Et tout pété. Comment il s'appelle d'ailleurs, tiens? Bah, le démolisseur, quoi. Ah ouais, démolisseur, tout bêtement, ouais, ok. Avec un FAMAS, ok. Très bien, je l'ai sous le jeu. Bon, je vais tester le survivaliste, moi. Je crois que c'est ça, hein, qui s'appelle. Survie-moi. Ouais, survivaliste. Tireur d'élite survivaliste et démolisseur. Allez, go survivaliste. Cet écran noir de chargement ne me dit rien qui vaille. Oh là, cinématique.
Ouais, bien pété d'ailleurs la cinématique. J'adore la gueule de mon perso. Bon, a priori, la Maison Blanche a été reprise par la faction ennemie, non? C'est pas... Alors, maintenez Game Action SRC Toggle Signature Weapon. Ok, pour utiliser votre oui, arme. Ceci. C'est tout pété. Touche 4 au-dessus d'Azerty. Touche 4, ok, d'accord. Comme pour les armes, quoi. 2, 3 pour fusil primaire, secondaire, arme de poing, et puis 4 pour l'arme signature. D'accord. Il s'agit d'une arme puissante liée de manière unique à votre spécialisation. Chaque spécialisation débloque un mode de compétence supplémentaire. Appuyez sur échappe. Le menu des compétences pour activer ce nouveau mode de compétence. Ok. Il me dit quand t'es dans le jeu, t'as passé les trucs là, je t'explique. Ouais, chaque spécialisation vous donne accès à un type de grenade spéciale. En fonction de la spécialisation choisie, il pourra s'agir d'une grenade aveuglante, incendiaire ou à fragmentation. Ok, je ne suis plus dedans, je suis prêt à t'écouter. Quand tu vas dans l'inventaire, t'as qu'une seule pièce d'équipement, là, gants, sac à dos, etc. Donc ça, t'as pas trop le choix. Ouais. Par contre, les armes, ils te laissent une certaine liberté. Là, ils te mettent à peu près une arme de chaque type, donc après, à toi de voir ce que tu veux. D'accord, ok. Il y en a des mieux scorés que d'autres, donc voilà. Ouais. Tout au-dessus de tes trois armes, t'as ton arme signature, là, ton arbalète. Du coup, tu peux aller voir les stats, les talents, etc. Elles ont des munitions très limitées puisqu'elles sont complètement abusées. Donc, l'arbalète, je sais pas, mais moi, le lance-grenade, j'ai 6 grenades. Le fusil de sniper, je crois que c'est 6 munitions. Et régulièrement, dans l'instance, quand tu butes des mobs, il y a des munitions qui tombent. D'accord. Ça a l'air de tomber quand même relativement fréquemment. Donc, faut pas avoir peur de les utiliser non plus. Je pense que c'est conçu pour. D'accord. Voilà, faut pas non plus tout cramer sur un seul et même mob, quoi, mais faut pas trop avoir peur de l'utiliser. D'accord. Une balle par-ci, une balle par-là. Tout en bas à droite de l'inventaire, à côté des compétences, t'as un nouveau slot pour prendre la grenade par défaut ou la grenade de ta classe, là. Je sais pas c'est quoi la grenade du survivant, à mon avis c'est une flashbang. Frag. Ah, une frag, ok. Moi j'ai une incendiaire et le sniper il a... Une... La flash, je sais pas quoi. Du coup. Ouais, peut-être bien. Les compétences, par contre, c'est les mêmes. Tourelle, drone et mine. Ouais, d'accord, donc, ok. Alors, y a rien sachant que j'ai une mine apparemment spéciale pour ma compétence, non? J'ai une mine réparateur. Ah, bah, je vais tester ça, ça m'intéresse. Ça. Ah bah tiens, dis-moi, si tu vas dans la tourelle, est-ce que dans la tourelle, t'as la tourelle artillerie? Si tu ne l'as pas, c'est que c'est mon truc de classe. Non, je ne l'ai pas. Ok, bah donc c'est ça, effectivement. Et le drone, mais j'ai les mêmes, donc a priori, le sniper, ça doit être le drone, son... Le réparateur... Ok. Le bombardier... Mon personnage, en tout et pour tout, il fait quelque chose comme 200 kilos, mais genre, à poil, il doit en faire 80, quoi. Ah! Non mais, tu verras la gueule, c'est un scandale, quoi. D'accord. J'ai un sac à dos qui fait deux fois ma taille... Mes deux armes dessus, le lance-patate, j'ai une M60 dans les mains. Enfin, ah ouais, d'accord. C'est n'importe quoi. 35 secondes. Ah, quoique non, c'est celle-là vraiment qui fait le plus de dégâts. Même Stallone, dans ses films, il est pas équipé comme ça, quoi. Ouais, monsieur. Oh, si, je vais prendre la... Voilà. Je t'ai invité. Oui, je viens de recevoir.
Par contre, j'ai un pop-up, enfin, une notification en bas à gauche de l'écran, il fait écrit connexion serveur instable. Yeah. Oh, putain, j'ai. Au moment où j'ai voulu appuyer sur W, le truc est disparu, quoi. Okay. Je suis également dans le jeu. Est-ce que t'as moyen de m'en renvoyer à... Attends, invitation dans le truc social. Hmm. Attends, net jaune invité. Oui, là je fais W. Ah voilà, ok. T'as 25 secondes pour accepter, mais si tu cliques pas dans les 5 secondes... Ah donc je sais pas pourquoi, mais je peux pas l'inviter, c'est grisé. Ah. Est-ce que je peux te nommer chef de groupe? Attends, je suis même pas sûr d'avoir besoin d'être chef de groupe. Attends. Alors vous parliez tout à l'heure des technologies de spécialité. Donc effectivement, comme tu disais John, moi c'est un drone, le drone tactique. Spécialisation requise tireur d'élite. Le tacticien effectue des reconnaissances et marque les cibles ennemies, ce qui les indique sur le HUD de l'agent et des alliés. Ça, c'est bien. Applique l'effet d'état touché par impulsion à la cible considérée. Je ne sais pas ce que c'est. Attends, implique l'état. Applique l'état touché, donc ça doit être un effet d'état, mais touché, je ne sais pas ce que ça leur fait au mec. Ça doit être comme figé, tu sais, quand les mecs ne bougent pas, mais ça doit être autre chose. Par impulsion à la cible considérée. Ouais, ça va rien dire. Il va falloir que je chope quelqu'un. Ouais. Ouais, non, j'arrive pas à l'inviter. Du coup, ouais, essaye de me passer. Ouais, j'avoue, putain, il est blindé ton perso. Alors, je regarde un peu. Donc là, on a des armes spécifiques, c'est ça? Ok. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, non, toujours pas. Je te vois hors ligne, en fait, Doc. Tu me vois hors ligne? Ouais. Alors ça, c'est intéressant. Moi, j'ai pas regardé dans Uplay, mais en tout cas, dans le jeu, je le vois en ligne. Ah, dans le jeu, tu le vois en ligne? Ok. Remets-moi chef là, peut-être que je vais pouvoir l'inviter parce que là il est passé en vert, tout à l'heure il était grisé. Comment je fais pour te mettre. Ah, voilà. Ah oui, ça y est, je le revois à nouveau. Ouais, je le revois à nouveau, mais effectivement j'ai rien du tout. Ça y est, je peux. Ok. Donc, et toi Attendez-vous à être déconnecté peut-être, je sais pas, il y a le vieux pop-up en bas là, il me rassure pas. Le pop-up 2. Bah, j'ai une notification en bas à gauche de l'écran qui reste affichée, serveur instable. Ah! Coucou! Coucou, monsieur! Donc ouais, moi j'ai un TAC 50. Ça, c'est bon, ça. Ouais, c'est un peu gros. Le truc, il est plus gros que moi, quoi. Alors, c'est complètement abusé, les armes, là. J'ai testé hier le TAC 50, Doc. Ouais. Les mini-boss jaunes et même violets, puisque les violets sont en dessous des jaunes. Oui. Tu mets un headshot à un mec jaune qui est full vie, full armure, ça le... Là, pour le coup, on se peignait trop de difficultés dans le 1, mais là, à mon avis, ils ont peut-être été un peu trop loin. Quoi. Un peu, ouais. D'accord. Donc, t'imagines les 4 mecs qui utilisent tous les 4 leur arme signature en même temps, tu nettoies le donjon en 2 secondes, quoi. Ouais. Par contre, je ne peux pas changer de... Ah oui, ok. Normalement, tu sais, on peut quand même, avec les ACOG et les petits viseurs, changer de visée. Moi, je suis forcément avec mes deux armes en zoomé. Ah bah oui, t'as un sniper. Ouais. Ouais, mais il me semble que dans le 1, tu pouvais changer entre la visée FPS dans la lunette et la visée TPS. Il me semblait que c'était tab, mais ça ne marche pas. Non, là, c'est une autre touche que j'ai configurée, mais là, ça marche pas. Quand je fais tab en visant, ça zoome un petit peu, mais sans plus, quoi. Ouais, parce que t'as un... Non, un néotech. Ok. Par contre, j'ai une nouvelle compétence disponible à la base DOP. Est-ce que ça vaut le coup? Ouais, il me dit aussi, mais ben, on peut pas y aller, en fait, c'est verrouillé. Si tu regardes ta carte, on est confiné dans la zone du donjon. Ah oui, d'accord, ok. Je crois qu'il faut qu'on termine le donjon avant, je sais pas. Ok.
Je vous demande 2 secondes, je regarde un petit peu mes armes et tout. Elle apparaît même pas, la Maison Blanche, sur la carte. Non, elle apparaît pas. Non. Là, tu t'en rends pas compte quand tu le fais, c'est ça que je disais l'autre fois, que ça me faisait penser à ça. Oups, désolé. Donc du coup, si je fais ça... Ah ouais, d'accord, ok. Ah oui, c'est bien ça. Ah, c'est le truc qui répare. Oui. Tu peux la caresser ? Oui. Est-ce qu'on peut la caresser ? Le mec, quoi ? Laurent, tu veux pas mourir, là. C'est sympa, n'empêche, les lumières que ça fait, c'est réfléchi et tout, là, sur les, ouais. Ouais, c'est les très surfaces. Cool. À mon avis, tu crèves pas, là, avec ça qui veille sur toi. Bon, en fait, ma réflexion de tout à l'heure était con, un peu comme d'habitude, vous allez me dire. On peut changer le... Je vais modifier mon arme, en fait, tout simplement. Je vais modifier la lunette, et puis je vais plus être emmerdé. Où est-ce qu'il veut pas aller sur Doc, en fait ? Tu vois, elle revient vers moi. Ah, je pense que quand elle a fini, elle revient, en fait. Alors que le drone, lui, par contre, il reste. Ouais, ça doit être du one-time sur... Il n'y a même pas des ennemis, là, pour test ? Bon, allez. Putain, j'ai tellement l'impression qu'il est fat, mon perso, quoi. La gueule du sac, sérieux. Wow ! Ça me pète à la gueule, ta merde. C'est moi, je les ai. C'est sécure, quoi. Le machin, il te répare et puis il te pète à la gueule, quoi. C'est ça, c'est ça. Faut savoir ce que tu veux, en fait. Attends, par contre, il y a un truc qui me... Voilà, j'ai plus mes lunettes, moi, ça va plus. Ça m'étonne que tu l'aies pas encore vu, John. Tu m'aurais fait la réflexion si tu l'avais vu. De quoi ? Est-ce que j'ai pas un peu un tatouage trop badass sur l'épaule gauche ? Ah, alors attends, je vais regarder ça. Attends. Je vais me mettre dans la lumière. Attends, je finis juste de m'équiper. Ouais. Alors, épaule gauche, c'est ça que tu m'as dit ? Ah ! Ah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Musclé mais sensible, quand même. Non, mais le mec, quoi, 200 kilos d'équipement sur la gueule, lance-grenade, une fateuse et un papillon sur l'épaule gauche. Putain, quoi. Un papillon, quoi. Ah ouais, quand même, quoi. Un papillon avec une tête de mort, dedans, quand même. Enfin, ça a l'air. C'est deux têtes de mort, en fait, qui se regardent, quoi. Mais bon, ça fait quand même un papillon, quoi. C'est vrai que... Mais au secours, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Invasion. Donc quoi, c'est un niveau de difficulté supérieur, donc ? Ou c'est différent en termes de... Ok. C'était quoi ce bruit ? Alors... Niveau de l'ennemi 32. Et nous on est 30, j'imagine, du coup, puisqu'on est oui. Au level. Okay. Et d'ailleurs, bon là c'est en normal, on va peut-être commencer par normal, mais c'est maintenant qu'on peut changer en difficile. D'accord, ok. Pour la map, cool, là, ça. Comme dans le 1, tu maintiens G. Et... Ouais, ok. Ah ouais, ça c'est de la... Vous m'excusez, je fais des petits tests. Vas-y, vas-y. Pour savoir qu'est-ce qui pourrait être plutôt pas mal. Ah ! Oh, pas mal la résonance du coup de feu là. Portée optimale. Tu vois mon laser Ouais, ah, ouais, ouais. Le ouais. Je le vois aussi, ouais. Ah, ici, ouais. Carrément. J'aime bien, c'est quand j'ai ma M60 dans les mains, quand je tourne la caméra pour regarder comme à travers le viseur, là je vois le point rouge du viseur. Petit détail. Ah, c'est sympa ça. Là, on part sur une difficulté qui va être un peu violente après, c'est ça l'idée un peu ? Aucune idée. Bah là, c'est en normal, donc ça va. Ça va. Il y a beaucoup d'élites dans la version normale ou pas ? Mais on l'a jamais fait, Max. Ok, non, mais je pose là, question au cas où. Là, c'est que du violet au minimum et parfois quelques jaunes qui viennent se mêler dans la mêlée. Mais ah oui, okay, bah, violet. Ouais, il n'y a pas de rouge, ouais, ça c'est sûr. Ouais.
je vais mettre ça alors. Attends, je me prends en photo parce que je suis quand même la classe. Et si je me souviens bien, en difficile, si c'est comme dans le 1, le difficile c'est que des jaunes, je crois. C'est possible, ouais. Bon, en tout cas, il y a 81% de jaunes pour 1% de violets, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, est-ce qu'on peut modifier ce truc-là? Ah oui, ok. Le mec qui s'échauffe, quoi. Avec 100 kilos de barda sur les épaules. Et ça, qu'est-ce que c'est que ce machin? Quoi? Pistolet mitrailleur. Ok. Qu'est-ce que je vais... Alors. Attention, ça va peut-être faire du bruit. Okay. J'ai entendu le son vachement après que t'aies tiré, quoi. Ouais, moi aussi, c'est bugué. Ah, voilà. Mais t'as plusieurs snipers, en fait. Ouais, ouais, je suis en train de regarder ça, c'est un contre-snipe, en fait. Ah ouais, d'accord, donc en fait, il faut absolument pas que je fasse ça. Vous me faites rire, parce que je vous entends, là, t'sais, faire vos trucs à la con, ouais. Hein. On s'entraîne. Ah, attends, si j'ai vu un truc qui va te faire plaisir. Bon. Comme je sais que t'aimes vraiment bien quand je mets ce genre de fringues. Voilà. Mmh. J'ai une belle chemise. Bien dégueulasse. De quoi? Ça va encore? Tu me fais penser que je vais peut-être mettre une chemise, tiens, pour couvrir cet affreux papillon. Mmh. Regarde, j'ai mis des belles bottes aussi. Non, ça, non. Ça c'est péché. On va mettre un manteau, ouais. Il fait nuit, il fait froid. Je pense que là, j'ai un look parfait. Je suis en short avec des bottes. Ça, c'est quand même... Ah, putain, mais... Vachement la classe, quoi. Il a la même... Il a la même chemise que moi. Toi, je vais la changer. Le mec, il a. Ah, mais toi aussi, t'es en botte, quoi. En botte short, quoi. Ah, putain de merde. Heureusement que j'ai pas de viewer, parce que sinon, il se dirait, mais putain, il passe combien de temps à s'équiper, ces cons-là. Par contre, j'ai un truc là-haut, c'est quoi? Système défensif, réparation, mode d'équipement. Ok, qu'est-ce que je dois faire avec ça? Mode d'équipement. A priori, je suis clairement un support. T'as déjà sorti ton arbalète dans les mains? Ouais. T'as vu le vieux... Ça fait... Oui. Et du coup, elle fait quoi? Elle snipe l'arbalète ou... Ouais, on va voir, on va savoir ça. Il y a un truc en dessous là, je sais pas c'était quoi. Un trépied, non? Ouais, c'est un habitu. Ah non, c'est des flèches. Ah ouais. Bah, je sais pas ce qu'il y a au bout de la flèche, mais ça va pas l'air. A l'air un petit peu contondant, quoi, tu vois. Du jus de grenadine. Ah. Nadine, très bien. J'ai fait des expériences biologiques et en fait, si j'arrive à les toucher 200 fois avec une flèche, ils peuvent attraper le diabète. Bon, c'est pas... du coup, c'est pas... Tu vois. Le vieil affixe. Inflige le statut diabétique à vos amis. Les mecs, c'est en plein combat, ils s'arrêtent. Ah, je crois que je dois faire un dextro. Et du coup, après, si tu lances une grenade incendiaire, ça fait du caramel. Sérieusement? Ah, c'est moche, ça. Ah, c'est putain, c'est moche. Gros bâtard. Bien pas pareil que vous, parce que vous êtes vraiment trop moche. D'accord. Bon, magne-toi le cul, la vieille, là. Oh! J'arrive. J'ai quasiment fini. Tu joues à saut de mouton avec moi, John? Ah oui, ça peut, ouais. Attends. T'as des moutons, là, à portée de main? Bah, j'ai décidé que les trucs ici, ce serait des moutons, là. D'accord. Est-ce qu'il y a des pneus?
Non, y a pas de pneu, tu peux pas. Le mec il va sniper. Alors. Il... Ah, d'accord. Mais. Bah. Bon, je suis prêt. Allez. Mais... c'est pas le tout, mais on peut y aller. Attends. Là. Ah. On fait juste 100. Ah, d'accord. Ah. Parce que nous, on, tu vois, physiquement, on est sharp, tu vois. J'adore tirer mitraillette avec arbalète. Alors là, j'ai un petit bug. Et là, tu sais, genre, si je fais ça... Je me relève pas, quoi. Je me plante avec, quoi. Ah. Moi, je me demande quand même comment il fait avec le sac qu'il a sur la gueule pour faire ça, quoi. Ouais. Puis avec tout ce qu'il a derrière, quoi. Techniquement, alors, il a quoi Ah ouais, d'accord. Fais voir, attends. Ah ouais, quand même. Oh, t'as vu la tronche du sac, sérieux? Ah, c'est des sacs de randonnée à l'ancienne, quoi. Ouais, ouais. Bon, on est parti? Il y a même une espèce de... Il y a une planche, en fait. Le sac, il a accroché une planche. Ça ne va pas si des viewers... View, quoi? Arrive. Nous avons le même haut. Non, je m'en branle. Allez! Mais non. Ok. Les cornes noires. Ah, il y a un hélico déjà, non? Oui, ils arrivent en hélico. Sérieux? Il y a quand même des rouges finalement. Ah oui. C'est quoi ça? C'est mon drone. Ah! Il balance il a des perdu gadgets, la tête. Gars. Bon, j'ai un jaune à gauche. Vu. Je vais essayer mon arbalète sur lui. Ah! Ah! A priori, je balance des trucs explosifs. Alors ouvrez bien l'œil, c'est comme dans le 1, ils balancent des gadgets, donc ils balancent à peu près la même chose que nous, donc parfois vous allez voir des drones voler, faut les péter. D'accord. Ils sont visibles, ils font des... Il y a des lumières en fait, donc tu les vois arriver. Et D'accord. Ils balancent des drones avec des lumières jaunes, et si tu les laisses venir jusqu'à toi, ça te pète à la gueule. Et ça fait D'accord. franchement bien mal. Par à contre, si tu pètes munitions. Le drone quand il passe au-dessus d'un 2, bah ça les... Ça se retourne contre eux, quoi. C'est une arme spéciale, hein, Max. Hein. Vraiment ton arme ah ouais, 4. Je vois ça, ouais. T'en as que 6 des. Ah oui, j'ai eu ça. Du coup, je m'en vais vers lui. J'aurais dû faire autre chose. Par contre, ça c'est chiant pour moi. À chaque fois que je tire, il me sort de la visée. Comment ça? C'est quoi ça? Ah, c'est il me sort de mon zoom, je suis obligé de recommencer à zoomer. C'est vraiment emmerdant. Alors du coup, je vais faire ça. Oh. No one's getting away. Ah ! Il y a du monde là. Aïe ! On va voir si ma boulette marche. À gauche, Doc. À gauche. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un putain de chien robot là. Ouais, j'ai attention. Vu. Quand vous voyez la lumière rouge, est-ce qu'il va tirer? Faut absolument vous mettre à couvert parce qu'il voit une shot quasiment. Mais attends, le truc, il est intuable là. Il est blindé, faut péter le blindage. Ouais, il y a du monde orientation. Attention. À ta gauche, au fond. J'ai pété le clébard, c'est bon. Ouais, vu. Ça arrive au fond. Quoi ça?
Putain, c'est quoi ça? Ça va me tirer dessus ou quoi? C'est à nous ou c'est à eux ça? Non, putain, c'est à eux. Aïe 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 aïe. Il y a du jaune à gauche. Oh non putain. Aïe. Donc les robots là, ils sont blindés, un peu comme les jaunes, faut leur tirer dessus jusqu'à péter le blindage, après ils sont assez fragiles. Ouais. Quand je vous avez une seconde, deux secondes maximum pour vous mettre à couvert parce que ça vous fait un espèce de tir de sniper bien bien violent qui one shot quasiment. Ok. Donc voilà quoi. D'accord. Et restez pas trop près de lui parce que parfois il rush, donc gardez une marge de distance pour pouvoir vous mettre à couvert. D'accord. Et bon, désolé, c'était un peu dur là, mais comme j'ai pas du tout l'habitude, not easy. Oh, ça m'étonne qu'ils aient pas encore looté de munitions d'armes spéciales. Shade note. Get there as fast as you can. C'était déjà le même scénario ou ça a changé, je sais plus. Dans la mission de base de la campagne, on vient ici pour rétablir le courant ou je sais plus trop quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Eux, c'est l'inverse, ils viennent pour couper le courant, foutre le bordel. Il me semblait bien. Ok, avec vous, j'ai réglé ce qu'il faut, ça devrait aller maintenant. Ah. Je suis peut-être un peu emballé en me disant « Bah tiens, y aller tranquille ah. !» Bah non, en fait, tu peux pas. Est-ce que ça m'a... Non, ah, ici tu recharges pas l'arme spéciale. Ok, prêt. Munitions d'armes spéciales, quand elles vont tomber, vous pouvez pas les rater, elles sont identifiées un peu comme un loot violet là, c'est vraiment un gros truc. D'accord. Ça se voit, mais. Ouais. Ça arrive par la droite. Ouais, vu. Bah, vous devez les voir là normalement. Et par la gauche. Hein. J'en ai fixé un là-bas au bout. Attention, il y a un robot. Je me fais le mec au bout là. J'ai pas le visuel. Ok. Moi je l'ai, j'ai. Bien joué. Cul. Si c'est possible, je veux bien un petit peu de soin. T'es où? System disrupted. À ta droite, John. Ouais, je sais, je t'ai envoyé un truc, mais... Je sais pas pourquoi ça veut pas, là. Les robots, quand ils explosent, en fait, ils font une... Ils brouillent nos compétences et les leurs pendant un certain temps. Ah, d'accord, c'est pour ça que ça... Ouais. Et je sais pas si on peut les empêcher d'exploser, je pense pas. Je pense que c'est... Ok. Merci, le soin. Je t'en prie. Qui a tiré? Personne, mais le drone est down, donc c'est peut-être lui qui a pété. Oh putain, c'est con ça. Le mec, c'est... Qui a tiré? Mais non, j'ai pété. Ah, pardon. D'accord. C'est quoi la petite boule qui te suit, Bah c'est du soin aussi. Robot.
Merde. Crevez, putain. C'est quoi les trucs jaunes là? Ok. Il y a un putain de soin qui vient d'arriver. Montre ta tête, mon petit haut. Rushez-le si vous voulez, je le tiens. Yes, on y va. Mais non, mais... C'est bon. Il y a du monde au centre. Je les prends par la droite. Je recharge. Bien joué. Clair à droite. Ouais, c'est clair pour moi aussi. Ouh, ah, il y a du violet. Ah, il y a des munitions, ouais, j'ai vu. Les munitions sont rouges, c'est ça pour les trucs. Les armes spéciales. Rouge, violette, ouais, je sais. Ouais, ça. Où est-ce que t'en as vu? Ouais, non, mon oncle. J'en ai. C'était tombé ici pour moi. Ouais, c'est personne dépendante, je crois. D'accord. Ah, d'accord. Moi, j'en ai toujours pas looté depuis le début non plus. Pourtant. Pareil. Il m'en reste plus qu'une, quoi. Donc, les problèmes de texture ou c'est normal l'espèce de l'écran là, je crois que c'est normal, non, c'est... pour dire genre descendre là. D'accord. Je ouais, ça pas trop pris la tête hein. Globalement on fait le même chemin que l'instance de base, c'est juste les tactiques qui changent. C'est clair. Bon, moi je m'en fous tant que je m'amuse. Oui, là elle a balancé un drone là, je crois. Ouais, j'ai entendu. Ouais, lui, voilà. Il y en a deux là. Il faut péter les loupiottes là, voilà. Hop là. Oh. Il y en a un qui a fait un lancer de grenade un peu foireux, non? Je sais pas, mais en tout cas, il a bien volé, c'était marrant. Le mec qui a relevé la tête, que puis-je faire pour vous? Je t'emmerde, Myrteuil, et tu vas me le payer. C'est quoi ça? Je ramasse ça, les gars. Moi j'ai rien, putain, j'ai rien qui tombe là. I got nothing falling. Bon, eh ben moi je m'éclate. Oh, c'est nettement plus dynamique que le jeu de base là. Il y a enfin un peu de fraîcheur et de nouveauté, j'avoue. Bah, c'est un peu moins sac à PV quoi. Tu passes pas 30 minutes sur le même pack à chaque fois. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on est en normal et qu'on a déjà du stuff au-dessus du normal. On verra en difficile quoi. Mais... Ouais, ouais. Je pense que je testerai vite fait un peu les deux autres spés sur les prochains. À moins que ce soit bloqué, bah moi, si j'en ai choisi un, c'est... Non. Moi déjà, clairement, de base, j'aime bien le snipe, mais alors là... Ouais, je pense que j'essaierai le snipe aussi, ouais. Mais j'aime bien le côté soin et tout ça, support, donc... c'est plus mon style de jeu. Moi, j'aime bien tout péter. Ouais, bah voilà, chacun son style. Chacun sa merde.
I saw something, il a dit le mec. Oh, oh, oh. Oh le gros jaune, oh le gros jaune, oh le gros jaune. Merde. Ouais, c'est con, il fallait pas. Oh, a priori, quand tu leur tapes avec le poing, ça fait rien. Non, ouais, non. Non, surtout des mecs blindés comme ça, ouais. Putain, mais il est où mon drone là? On est là pour tester, non? Bah oui, voilà, carrément. C'est fait. C'est de la merde. Attends, je comprends pas là en fait. Putain, j'ai sorti ma. Empêcher la désactivation. Faut peut-être le faire, non? Ouais. Il nous reste 9 secondes. Vas-y. Ouh. We're trying to access the Shade database. Let's hope you stop them in time. Hate to interrupt, but there's another helicopter inbound. Looks like Black Tusk reinforcements. C'est quoi ton ta capacité spéciale, John, à toi? C'est-à-dire la capacité de ton survivaliste. Moi, c'est le drone là qui peut donner la position des mecs partout. Bah, c'est la boule là. La ah, boule. C'est la boule qui soigne, ok. Ah, la boule qui soigne. Et la boule. C'est quoi, toi? Une tourelle qui fait un espèce de tir de mortier, mais je l'ai pas encore essayé. D'accord. La petite boule, elle te suit que toi, ou tu peux la filer à quelqu'un d'autre? Bah non, je te l'ai envoyé tout à l'heure. Ok, d'accord. Regarde, hop, je la envoie vers toi, là. Ouais. Bah, sauf que là, t'es full vie, donc elle voudra pas, mais... Oui, non, mais c'est pas grave, c'était vraiment... Oui. Bien foutu, quoi, t'as le roule dans l'eau, là, elle fait des espèces de vaguelettes, là. Ouais. Ouais. Tiens, hop... Non, c'est bien, je pense qu'on va, ça va être vraiment complémentaire en plus. Ouais, il y a plus de trucs sympas là. Bon, c'est dommage qu'il y ait que 3 aspects quand tu sais que c'est 4 joueurs maximum, donc ouais. Bon. Alors forcément un doublon, quoi. Je suis prêt. Same. Moi je me rapproche parce que la M60 là. Non, moi je suis à la bonne distance là. Faut y aller. Y'a un robot. Vu. Il y a un drone. Ouais, il contourne à droite. J'arrive pas à déployer ma putain de compétence. Attention derrière toi, John. Pardon, au rond. Quoi ça? C'était un IEM. Ok. Vas-y, finis-le là, voilà, merci. Bon, par contre, quand t'es sniper, il faut vraiment prendre le temps de tirer. J'ai essayé de tirer dans le torse pour voir ce que ça donnait. Ah bah, tu fais pas autant de dégâts. Ouais, vaut vraiment mieux tirer, prendre le temps de. Quelqu'un de la réparation, je veux bien, j'ai plus rien. T'as plus de. Ah non, c'est bon, attends. C'est bon, c'est bon. T'as plus de plaque de régénération? Bah, si, mais je. Qui tourne. Oh le bâtard! C'est bon, Ron, ça te soigne? Ouais, merci. Ok. Quoi le truc au fond là qui fait? Jaune au fond. Reste derrière toi, au rond à droite. Immediate medical assistance needed. Wow. Oh putain, je vais crever. Je vais me mettre à couvert, ouais, pareil. Replie-toi, attends, je vais aider. Airburst deployed. Right
Montre ta putain de cul et ta race. Je recharge. Reçu. Oh putain là-bas. Oh la salope. Ah je me suis pris. Je me suis pris un de leurs drones. Bien. Quiet gendarme. Bon, j'ai enfin looté mes munitions d'armes signature là. Ah il m'a fait. Eh, bah, attends, je suis down et je suis revenu en fait, j'ai l'impression que. Ah, tu vois, j'avais plus aucune munition moi de lance-grenade, j'ai ramassé un truc, ça m'en a filé 6 direct. Donc bizarrement ça tombe moins souvent mais en plus grosse quantité. D'accord. Bon, moi j'aimerais bien en avoir aussi, ce serait cool. Je pense que c'est parce qu'hier j'étais tout seul, je crois que quand on est 4 il en file moins pour pas que ce soit trop abusé quoi. Mmh, ouais. Sinon tout le monde utilise ses armes signatures du début à la fin. Ouais ouais bien sûr. Et donc tout à l'heure j'ai foiré ma flash. En fait en lançant il y avait le trajet qui était ouais. Bon mais en fait il s'est pris dans les fils au plafond. Merde. Donc il faut faire gaffe à quand vous balancez vos grenades qui est vraiment pas rien d'obstacle. Sur la route quoi ouais. Ah ouais. C'est bizarre parce que c'est exactement le même système de visée du 1. Dans le 1, j'ai eu aucun problème, mais dans celui-là, je galère à balancer mes grenades et tout. Enfin, c'est. Je sais pas, je comprends pas. C'est exactement le même système, mais je galère. Notamment mon lance-patate, là, en fait, c'est un espèce de. D'arc, en fait, qui m'indique où va tomber ma grenade, mais pour viser les mecs, c'est une. Ouais, c'est une tannée. C'est une tannée. Sinon la tourelle mortier, plutôt sympa. Ouais, ouais, cool. En fait, je la déploie, une fois qu'elle est déployée, c'est moi qui lui dis où tirer. Ça, c'est cool. Je déploie un drone. Deux petites secondes. Je l'envoie. Dès qu'on a les données, on peut y aller. T'envoies les données. Je t'envoie les données. Bah, y'a un vieux mec tout seul quoi. Ouais, ça. Snipe-le, fais-toi plaisir. Oh putain! Oh le sniper en carton quoi. Bah non, mais rien, je lui. Headshot. Headshot. Ah bah quand même! Critique. Y'a du jaune à droite. I'm throwing an EMP! Lost someone! System disrupted. Ah, il balance des grenades, fais gaffe. Ouh! Oh la vache! Ah ouais, j'ai pris un critique à 78 244 dégâts. J'arrive. Ah, t'as dû te prendre la grenade, je crois. Bah, là, il me semblait qu'elle avait tapé de l'autre côté, mais. Faut pas être pressé, hein! Ah, il y a 10 secondes. 10 secondes quand je suis. Merci! Y'a des robots partout là. Y'a un mec qui vous contourne à droite. Oui, oui, je l'ai. Ah, attends, balancer mon lance-patate dans le merdier. Y'a du jaune. Ouais. Putain, c'est bon ça. Ah, le mec s'est fait déloger quoi. Le manque de respect quoi. Ok, ça arrive. Oh, oh monsieur, putain. C'est interdit de contourner. Un clébard de merde là. Oh. Ah quoi? Ah non, j'ai cru. J'ai cru avoir fait une action formidable, mais non. Ah bon? Aïe. Oui, mais non. J'ai cru qu'en tirant dans le. Tu peux nous déloger le connard au milieu là, s'il te plaît? Ouais. Bien aimable à vous. J'ai cru qu'en tirant sur la petite lumière rouge du robot, ça le faisait plus chier, mais pas du tout. Non, la lumière rouge, c'est en visée. Ouais, voilà.
Il est en train de charger le tir, quoi. Jacob, fire! Oh! Oh les bâtards! Oh, il m'a manqué de respect, le machin, là. Ah putain, je sais pas ce que je me suis pris, mais... Coup de la gueule. Ouais. Bah, crève là-haut. Oh, y'a le corps de robot de merde là-haut, quoi. Bon, toi, tu touches pas ça. C'est quoi, c'est un rusher à droite, là? Y'a un putain de rusher. Rusher, oh. Rusher. Non, je t'explique, c'est moi le sniper ici. Ça c'est marrant. Non, non, je crois que j'ai devenu Rambouille dans le grenade. Ah. Quoi ça? Ok. Ah, il y a une arme là. Ah, une arme. Oui, si, une arme. Oh, une MK16, oui! Putain, ça me fait plaisir de revoir cette belle lumière jaune quand on fait oui. Un truc. Oui! Ouais, j'avoue, ouais. Oui! Attends, je regarde vite fait ce que j'ai looté là, MK16. Ouais, on peut faire un petit break que je regarde aussi tout ce que j'ai looté, voir si on peut pas améliorer un peu les choses. M700 carbone, ah ouais? Ok. Ah. Oh, hey, le MU-110 MCS personnalisé, dégâts 60 000, quoi, quasiment. Pourquoi est-ce qu'il est moins bien, lui? D'accord. Bon, ça, tout ça, je ferai ça après. Okay, j'ai juste changé d'arme, c'est bon. Un nouveau jouet. Ah. D'accord. Une M7 en carbone. Ça c'est bon ça. Ah, il y a un bouton là. Bonjour bouton. Tu vas pouvoir te faire plaisir ici, Doc. Oui. Alors là, c'est comme dans le 1, il y a des IEM à péter, enfin, sinon on peut pas utiliser les compétences. Il y en a une au milieu, il y en a une en haut à gauche, une en haut à droite, enfin bref, en triangle. On peut utiliser les compétences, ok. J'envoie le drone. Mais... Je viens de te dire que tu peux pas utiliser les compétences. Bah si, regarde. Ouais, parce que t'es pas dedans, mais moi je suis dedans ici. Ah shit. Mais il pourra pas aller plus loin. C'est pas visuel, je sais plus à quoi ça ressemble en fait. J'ai pété celui du milieu. Par contre, je prends des dégâts là, ouverts, je vois d'où ça vient. Ouais, je peux pas rester ici, je me fais péter dessus. Ouais, pareil. Je vois pas le... Il est planqué derrière le mur, le machin IEM, là.
has me pinned! Ammo out! They're right here! Merci. Ah bon? Comme ça là, à froid. Même pas d'où ça vient quoi. Le mec que j'ai fixé à gauche, ouais. Pas derrière les fleurs. Putain, il m'a fait mal le bâtard. Oh, si on s'arrive à droite. Grenade. D'accord. J'y vais. Tiens, sous pression le lanceur de grenade là-bas. Faut le sniper lui là. Ouais. Vu. Prends ton truc signature ou je sais pas quoi, ouais. Lui, un headshot. Grenade à droite. Oh, merde. Merde, attends. Alors, 9 secondes. Il est down. System curtailed. Ça ressemble à ça, John. Enfin, tu les verras de façon, mais. C'est l'espèce de trépied là. Quoi? Il y en a un là en haut. Je vais voir à droite. Ouais, attends, je vais regarder aussi à quoi ça ressemble. Ah, d'accord. Celui de gauche, c'est bon. Proceeding. Un en bas. System back online. Ouais, vu. Ça arrive à côté d'Oron, ça arrive derrière Oron à ta droite. Ouais, je suis là. Ok. Vous avez un robot qui arrive, robot rouge. GG. Il est mort, l'opérateur aussi. Oh putain. C'est un snipe ou quoi? En bas à gauche. Derrière les étagères. T'avais pas un drone qui devait les marquer, Max? Si. Parce que moi je les vois pas en fait. Merde. Oh! Je l'ai envoyé. Merci. De rien. Au moment où vous en avez un chacun. Il en reste un. Il y a encore un rouge là. Ouais, je sais pas. Derrière toi. J'ai une idée où il a dit please. Please. Non. Regroupe-moi pour l'assaut final. Donc j'ai des merdes à les ramasser en bas. J'ai toujours pas de putain de munitions moi. C'était vrai? Ouais. Allez, je me suis servi de mes 6 et basta, y'a plus rien quoi. Moi j'en ai looté qu'une seule tantôt et j'en avais 6, là je suis déjà plus qu'à 2 donc ouais. Quand on a plusieurs, je pense qu'il faut y aller en mollo quoi. Que moi quand je l'ai fait tout seul, ça tombait quand même assez souvent. Ouais. Alors faut faire gaffe parce que moi j'en ai eu déjà 3 fois. Ouais, ça. Si c'est pas 4. Ouais, bah ce serait bien qu'ils équilibrent quoi.
ou qu'on soit tous à 4 ou que ça se répartisse un peu mieux parce que. Ah, moi j'en ai une ici, viens voir si par hasard il n'y en a pas une de planquée. Moi y'a un mec qui m'en a looté ici en haut. Ouais, il m'en a donné 3. Ouais, il t'a recomplété quoi. Bah non, je suis à 5, le maximum c'est 6. Oh. Non, j'ai rien, toujours rien. Et elle fait quoi du coup, elle snipe la roulette? Ça pose une espèce de zone qui explose en fait. Ah. Et si tu tires sur un mec, bah ça se stick sur lui. Ça lance grenade. Ouais. Un sticky grenade quoi. Mais ouais, ce serait bien que quand ça tombe pour l'un, ça tombe pour les autres parce que. Voilà, c'est moi qui suis désavantagé, mais même sur le principe, quoi. Même si je suis avantagé. Si on tire sur l'hélico, non? Il n'y a pas un truc en hauteur là-bas? Allez, monte. Non, marche pas. Je suis à l'abri derrière des cartons, je pense que je suis hyper sécure. Ok, donc c'est par là que ça se passe a priori. Oh, Auron, ça va? Ok. Ouais, fais un peu gaffe. Qui arrive là-dessus. Un hélico. Bon, ça sert à rien de tirer dessus. Ouais, ça. Ok. Oui. Ah. Welcome bitches. J'ai nettoyé la piste d'atterrissage. Ouais, j'ai vu. Il y a un mec à droite là. Quoi qui nous arrive dessus là. Ah, il y a un jaune là, non? Ouais, c'était le boss là. Bien. Ok. La gueule. Watch it, grenade! Non. La gueule. J'ai mis un vieux coup de crosse. Dommage. We'll have to check the logs to see if they accessed any sensitive data. But I think we're okay. Polycarbonate. Bon, ok, et du coup, à la base d'op, je vais en avoir des munitions pour mon. Arme, il y en a que... là en l'air, tu vois, j'en ai encore moi. Ils sont en l'air. Ah. Bah ouais, ce serait bien quand même qu'ils m'enfilent aussi quoi. T'en as eu 0 toi du coup, durant tout le long? Eu aucune, ouais. J'ai eu mes 6 de départ, mais c'est tout quoi. Ah, c'est nade.
Ah, je... Il se passe quoi derrière, là? A priori, il y a comme un conflit derrière. Pas ouais. Pour ce qui se passe, mais... Ouais, a priori, faut qu'on descende là-bas. Ouais, ouais, c'est la même sortie. Je sais pas si... La loose quoi. Alors les mecs à bouclier, ce qui est intéressant, c'est que quand je tire dans la jambe, il baisse le bouclier du coup. Ah, c'est cool ça. Ouais, donc du coup. Une tourelle. C'est bizarre les impacts. Bah écoute, j'aime beaucoup. Et alors, est-ce qu'on sait si une fois le L30, tu pourras switcher entre les spé ou est-ce que tu seras fixé sur une spé et basta? Et tu seras obligé de faire un autre perso pour avoir une autre spé? Je sais pas, mais à mon avis, il sera possible de switcher, je sais pas. Il y a une caisse là. Ouais, je me suis pas posé la question, faudra regarder sur internet s'ils en ont déjà parlé. Ouais. Et un autre truc, je ne sais pas ce qu'il faut faire, c'est qu'on a fini le donjon, mais. Ouais, et ensuite? Ouais, voilà. On est toujours enfermé dans le carré rouge là. Je sais pas s'il faut le faire en difficile ou quoi. Bah a priori il faut juste sortir, non? Bah non. On est sorti déjà. Qu'est-ce que c'est que c'est? Non mais du rouge, est-ce qu'on peut? Non, bah, on peut pas, il va te porter. Faire ramener Ah limite bêta. Non bah c'est peut-être juste ça, c'est juste le test comme ça, puis c'est tout. C'est un peu bizarre. Non mais y avait pas que ça dans le contenu endgame. Est-ce qu'il n'y a pas... Des instructions... Terminé. D'accord. Je vais retourner voir sur le truc qu'on avait publié sur le groupe. Si on sort, on est éjecté, c'est ça? De la zone. Tu vas être re-TP, ouais. Ah putain, c'est chiant. Ah bon, bah peut-être que celle-là, effectivement, en fait. Quand je regarde le truc qu'on avait publié sur le groupe, là, Endgame, il fait écrit une et trois spécialisations. Ok. Bah moi je serais bien chaud pour la refaire éventuellement avec une autre spé si ça vous tente de tester autre chose. Voir un peu ce que ça donne. J'aimerais bien avoir un petit aperçu des trois quoi, si ça vous dit, et sinon sinon on s'arrête là. Ça me va, mais je vais rester sur le démolisseur. Ouais. Oui, vous prenez ce que vous voulez, c'est juste moi j'aimerais bien tester autre chose en fait. Voir. Après, si on fait doublon, ah oui, si on n'aura pas de soin, wow, pas bien grave ça. Il y a un truc là-bas. Ok, bon, je déco, je reviens. Pas mal. Attends, je vais juste regarder ce que j'ai looté quand même. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ok, 300. Des gants de tir Yugake. Des gants de tir Bukake. Il y a des trucs. Ok. Luciole. Il y a des accessoires de compétences. Ouais, t'as vu, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Gel lubrifiant. Déjà, ça m'excite. Pour tourelle, emplacement, mécanisme de tir. Ouais, moi j'ai un truc système défensif, réparation, mode d'équipement. Plus 2035% modificateur de durée. Ah bon? Ah, un peu plus long quoi. Le machin il reste 3 jours quoi. Oui. Ok. Donc du coup il faut qu'on quitte le truc pour relancer. J'imagine, ouais. Bah faut revenir au menu quoi. Okay. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de changer, vous. C'est moi qui aimerais bien voir les autres spécialités. Pour la recommencer. Ah. J'imagine, parce que là, regarde. Enfin, je sais pas qui est le chef de groupe, mais est-ce qu'on peut la relancer comme ça? Je suis pas sûr. Si, si. Ah, sinon, ah non. Ok. Ouais. Ah, mais non, c'est toi, Auron, le chef de groupe. Bon, vas-y, je reviens, je vais choisir une autre spé. Ouais, moi je reste comme ça aussi, j'aime bien. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Bon, bah, snipe, allez. Continuez. Il va me refaire l'intro, là? Seriously? Non, mais c'est bon, l'intro, tu me l'as déjà. Je vais plus voir l'intro! Ah. Ok. Il me refait l'intro, là, de l'écriture sur fond blanc, là, sur fond noir. Ah. Je m'en fous. On s'en bat les couilles. Bon alors, quoi de neuf? Bon, en tout cas, c'est bien, ça donne de la vie, quoi. Je trouve. Il y a une vraie... Il y a un vrai contenu endgame PVE pour commencer. En attendant les raids et tout ça, là, je sais pas si ce sera maintenu, mais bon. On peut toujours rêver. Mais déjà, ça donne un peu de... Un peu de nouveauté. Vous pouvez m'inviter. Si on veut pas. Ah! Mais je vais faire une invasion tout seul. Invite to another agent's group. Receive. Agent, I got specializations available if you want to check them out. Alors. Agent has been promoted to group leader. Okay. Je peux déclencher une guerre. Je vais manger ma dernière crêpe. Bâtard. Gros bâtard. Voilà. Gros bâtard. D'ailleurs, Askikban. Ah bon? Asbin. Dégâts de coups critiques, pièce de rechargement, porte optimale. Ouais, bon, c'est bien ça. Pas d'emplacement d'apparence. Ok.
Ok, bon, bah ce sera. Non. Ah oui, d'accord. Ah oui, taxe 50. Ah oui, d'accord, le taxe 50 plus le SR1. Ah oui, il faut, d'accord. Ouais. Ok. Moi, je vais prendre le SIG en deuxième. Ah, un petit magnum. En normal ou en difficile? Vas-y, fais péter le difficile qu'on se marre là. On en chier. Bon, par contre, on a plus de soins, hein, donc doucement. Pas grave ça. En normal, le boss loot deux trucs violets. En difficile, il loot un jaune et un violet. Bien ça. J'essaye la tourelle sniper. Et donc le drone. Le drone tacticien. Bah écoute. Tu l'utilises toi le drone tacticien, Max? Non, je vais prendre autre chose. Essaye-le. D'accord. Non, parce que Moi, si je tu vais l'utilises, moi je vais prendre. prendre celui qui répare pour nous soigner, quoi. Où est-ce qu'on voit notre niveau d'objet général? Notre C'est pas e-level, quoi. le score. Ouais, score, ouais, que t'as quand tu fais I, à gauche, t'as un score, Ah oui, 336. pardon. Oui. Ouais, du coup, je disais les Comment tu accessoires de l'appelles, drone, là, ils 336? sont sympas, mais il y a un prérequis dessus assez pète couille, visiblement. Moi, il me demande 7200 de puissance de compétence pour l'équiper, je suis qu'à 3400. Et j'imagine que Ah. la puissance de compétence, comme dans le 1, se fait au détriment de d'autres stats, quoi. Je sais pas. Attends, redis ce que t'as dit là, j'ai pas. Les accessoires de drone, je peux pas les équiper. Il me dit que je dois avoir 7200 de puissance de compétence et j'en ai que 3400, donc j'ai quand même pas mal de marge. Et j'imagine que la puissance de compétence se fait au détriment des deux autres stats de toute façon, comme dans le 1, donc. Ouais, je pense que c'est parce que tu dois être orienté, pas puissance de compétence, justement. Toi, tu dois avoir une orientation autre, en fait. Ouais, mais du coup, ceux qui choisissent de pas pousser la puissance de compétence, ils se privent des accessoires de compétence, quoi. C'est un peu con. Ouais, mais parce que peut-être l'aspect que tu as, toi, justement, privilégie pas forcément cette. Mais oui, effectivement. Je suis prêt. Je suis prêt aussi. Attends, je recharge. Rechargement. Ok. Ok, ta mère. I'm ready. Ça fait beaucoup de snipers pour une seule personne quand même. Doc has disappeared. He's not with us. Non, je suis là. Non, mais vous vous êtes cassés en fait, bande de petites salopes de merde. Ah, une caisse. Tiens, bah, c'est ce que je viens de lâcher. Ah! Putain, j'avais pas Je viens de vu. ramasser des trucs jaunes. Voilà. Là, on est bien. Là. Impossible à équiper en combat? Mais je suis pas en combat, mec. Si, il y a Oh. le Blacko qui a déposé les mecs là. D'accord. Merde, c'est où? Ah non, faut descendre, putain. Oh là là là, galère. Ah bon? Ça surprend quand tu t'y attends pas, quoi. T'entends la cadence du machin? Ouais. J'ai changé de mitrailleuse, il y en a une qui tire 800 coups minute, l'autre elle était à 600. Oh! Oh, le mauvais sniper que je suis, quoi. C'est pour ça, c'est mieux que tu laisses aux professionnels quand même. Est-ce que professionnel, ça veut dire sniper en pleine... En pleine plaine, tu vois? À découvert. Je suis professionnel.
Ah ouais, j'y suis pas, que vous soyez avec vous aussi. Oh, y'a un robot. Y'a pas de robot ici tout à l'heure. Ah, faut peut-être que je sorte mes... Tiens, mes outils, tiens. Mais tu vas crever, oui. À droite, le robot. Ouah, mon dieu, il m'a regardé droit dans les yeux. Elle est déjà nettement plus solide que tout à l'heure. Oh putain, mais quand il crève, en fait, il... D'accord. Moi, j'ai plus de munitions de mitrailleuse, hein. On n'a pas pu ravitailler entre deux. Oh merde. Ah ouais, putain, merde. Ah bah sinon, fallait... Ouais, on aurait dû relancer, quoi, carrément. On va y avoir une caisse, là, je pense. Oh là. Ouais, mais après, quoi. Fais gaffe, John, tout à l'heure ils ont rushé dans le bar à ta gauche. Ok. C'est pas à nous ça. Non, c'est pas à nous. Ah ! Ouf ! Ah bon ? Dégueule toi. Ah ok, 224 000 points de vie, d'accord. Du jaune à droite. Vu. Putain, merde, il est où ? Allez, montre-moi ta tronche, toi. Je veux bien un peu de soin. Le jaune est mort à droite. Grenade. Ah non, c'est pas le moment. Raté. Ah, ça m'énerve, tu sais, quand t'as les mecs bien en vue et les gars ils bougent juste au moment où tu tires, quoi. Ouais. Je me suis mis en même temps que je l'ai tué, quoi. J'arrive. Y'a un mec derrière toi, porte de gauche, Max. Ouais, c'était pas grave. Je vais sur. Ah! Oh la vache! Ok. Merci. Je me suis fait dérouiller. Ils m'ont envoyé deux drones dans la gueule. Oh. Mais casse-toi là, sale mouche à la con là. Putain, mais c'est à nous en fait. Putain, mais oui, mais moi je vois un truc jaune qui me tourne autour, je pensais que ça allait me péter à la gueule. En fait, c'est le tien quoi. Non? C'est quoi ce truc là en non. fait? Je sais pas, moi j'ai le truc, tu sais, de... Ouais. Mais c'est quoi ça, bordel? Ah, mais c'est mon... C'est le mien, là. Tu qui repères les ennemis, putain. Le technicien de merde, derrière toi, quoi. John, derrière toi. Où ça, où ça? Bah là. Moi, je l'avais pas vu. Mais sérieux, quoi. Sérieux, les mecs. Voilà. Ouais, bah là c'est mort. On est mort tous les trois. Vas-y. Juguler l'hémorragie. Ah, carrément. Allez, c'est pour ralentir, ok. Bon.
Je suis pas le vieil baston en mode ta gueule. Bon alors c'était mauvais, bon, hein. Je suis on pas y très aller moins crispé quand même. Hein. Ouais, ouais. Ah, j'avais un peu de mal là moi. Il faut pas se laisser déborder, faut rester ensemble. Ouais ouais. Il y a un mec à droite. Vu, je m'en occupe. Il est ressorti. Sur le violet de gauche. Putain, mais non, pas là. Mais tire, putain de ta race. Allez hop. La tour et sniper, elle fait bien mal. Waouh. J'aurais besoin de soins si c'est possible. I do not have. J'en ai à droite. Putain, mais il crève jamais! Vital signs critical. Putain. Il y a un mec fixé à gauche là. Jaune, jaune au centre. Ouais, vu. Putain, le temps de sortir l'arme, allez. Oh, c'est long. Putain, lâche-moi. Il est où ce con là? Il est planqué. Il y a ah, encore du jaune qui arrive. Au fond. Merci le drone, j'étais en train oui. de recharger. Ah merde, je l'ai pas là cette fois. On a vraiment besoin de soins, Maxita. J'en ai pas. Ah, t'en as pas. Mais putain, on saute là contre ta race. Du coup, t'avais peur qu'il n'y ait pas de soins, que le support soit inutile. Je pense qu'il va devenir vite indispensable. Ouais, 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 non, c'est bien, c'est bien. Après c'est bien aussi que le que le soin soit accessible sans être forcément je pense que je vais le prendre là. Et sinon c'est le drone de merde, il est rechargé en 10 secondes ou comment ça se passe? Je prends le je change. Ah bah non, je peux pas changer là. En cours de qu'elle est active ou en cours de recharge, oui forcément. Putain. Oui, normal. Ah bah, on voulait du... Ouais, ouais, il y a du challenge, c'est bien. Tant mieux, parce que... T'as vu, limite, on est obligé de se mettre sur les mêmes mecs, quoi. Sinon, on peut pas les buter, quoi. Et je vais recharger toutes mes armes. Quoi ça? Un mec qui brille en orange, bon. Alors? Ouh, faire des headshots c'est beaucoup plus dur que dans le premier, ils sont vachement plus mobiles. Et surtout dès que tu prends une balle, t'as le viseur qui fait un vieux cabré en haut, enfin c'est ouais. assez chaud. Et comme tu prends une balle dès que tu sors la tête de ton abri. Oh, j'aime bien moi, il y a du challenge. Putain, mais elle est pas encore rechargée cette connerie là. Non. Vous me laissez juste quelques secondes, le temps que ça se recharge, je vais prendre le drone de, ouais, ouais. de soin parce que là il en faut un quoi. Ok. Voilà, c'est good. Bon, je vais tester une nouvelle arme vite fait parce que ma
Ma MG là elle est sympa mais il y a que 50 balles dans le chargeur et comme elle part à 800 coups minute, je suis sans arrêt en train de recharger. Ouais. Et comme ça met 5 secondes à recharger, j'ai l'impression de passer mon temps à recharger, c'est désagréable. Ouais. C'est pareil, moi je vais prendre quand même même si c'est sympa le SIG, je vais quand même prendre un truc semi-auto parce que ouais, putain quand même je perds en score. Non, moi bon, tant pis, je reste sur le SIG. Je crois que je vais passer au shotgun moi parce que quand je sors mon flingue, c'est que vraiment ils sont proches quand même. Ah oui, oui. Ouais. Ah ouais, le gun, j'avoue, je l'ai pas encore utilisé. Shotgun, allez, on essaye. C'est bon pour moi. Same. J'en ai une seconde. Ok, c'est bon. Une caisse à munitions ici, je crois. Ouais, ouais juste devant. Putain, j'ai que 280 balles avec cette arme, c'est une blague. Effectivement, c'est pas énorme. Oh merde. Ah putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh ils ont un truc dans le dos. Vise le dos, vise le dos. C'était quoi ça? Ok, ok. Oh, crève, enculé! C'est bon. Bon. J'ai tiré toutes mes munitions de lance-grenade dessus. Bien vu. Raté. Ah, pas raté. Ah ouais, effectivement, là moi ça tombe encore. Là. Ouais, donc a priori le sniper il goûte beaucoup plus que les autres quoi. Je sais pas qui est enflammé mais c'est joli. Moi. Bien joué. Putain, elle est où? Ah ouais, ok, putain, j'ai rangé mon... Y'a un snipe au fond, non? Ça arrive à gauche. Je l'ai eu. Y'a un soigneur. Bon, je vais changer d'arme, désolé, mais c'est un vas-y. Je pensais que c'était une automatique, c'est une semi-auto. Putain, le gros au début là, était chaud du cul, lui. Hein. Oui. Bon, par contre, fusil à pompe, c'est bien. Il y a du rouge. On est en combat, je sais pas pourquoi. Parce que c'est pas fini en fait, la salle suivante il y a du monde. Je sais pas où. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Wow. Ouais, elle était bonne. Aïe! Non mais sérieux quoi?
Aïe. Attends, viens vers moi. Je me mets à couvert. Ouais, viens vers moi. Je te vois pas, Max, je me fous là. À ta droite, ta droite. C'est pas grave. Ouais, parce que j'ai pris cher aussi. Ouais, il se passe quoi là? Plantage du jeu! Merde. Bon, je relance le jeu, le temps j'AFK 2 minutes. Je reviens tout de suite. Ouais. No time for you, I lack the patience. And you like, girl, how you do that? My attitude is bitchy, but you already knew that. And since we can't get along, I think we should both move on.
to say it. I used to think you were my lady, but every turn into a maybe. Just tell me, baby, don't be so shady. Reculons. Bon, tu avances et recules. On a nettoyé la vague où t'es crevé là, on n'a pas pu s'avancer donc ça peut rejoindre. Ouais, j'arrive. On a failli laisser les plusieurs fois. Oula, oula. Bah, du coup, un truc à savoir, quand tu meurs et que tu te fais réanimer, si tu meurs une deuxième fois dans un certain laps de temps, tu es mort pour te faire réanimer. Ah oui, carrément. Par contre, t'as un chrono 30 secondes, après 30 secondes, tu peux respawn. D'accord. Donc Doc a réussi à survivre 30 secondes, ça m'a permis de respawn, et voilà. Une caisse, okay. Là, les gars. Bon, j'ai à nouveau la vieille cinématique, là. Super. T'aimes ça, hein, les cinématiques. Ouais, carrément, ouais. Coquinou. C'est vraiment mon kiff. Coquinou. On est furieux. Précision dégâts. Ah non, non. Ah non, c'est pas bien. Ah bah moi j'aime vraiment bien le démolisseur. Pourtant dans le 1 j'étais plutôt à jouer à la flashbang et etc etc. Faire gaffe là, mais là j'aime bien lancer les trucs qui pètent. J'aime bien tirer des chargeurs de 100 balles. Gilagord. Le temps que John revienne, j'arrive, je vais te mettre en chef d'escouade, Doc, pour pouvoir l'inviter. Oui. Ouais, je suis à l'extérieur à nouveau. Est-ce qu'il m'a gardé mes...
Ouais, il a l'air de me les avoir gardés. C'est bon, je suis là. Oh bah, ça a été vite. Oui, je pensais que ce serait... Mais... Merde. Tu veux que j'essaie... On essaie de te réinviter ou t'as des trucs à faire? Non, mais moi j'attends, hein. C'est bon. Ah oui, oui. Tu peux pas le dire. Mais j'ai dit t'es c'est vraiment... bon. T'es vraiment une vieille cata. Ouais, mais il faut que je sois un peu de mauvaise foi, sinon c'est pas drôle, quoi. D'accord. Alors, voilà. Je n'avais pas prévenu que j'étais prêt. Voilà, merci. Si on peut plus être de mauvaise foi, c'est pas drôle. Enfin, ouais. Alors attends, je suis dedans. Oh là, oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pour ça que ça me fait du bien. Ah, bon ah, X a été tué. Ah bon? Net okay. John. Je sais pas. Je suis pas loin de vous, a priori, mais... Ah, il est là, t'es là. Ah, tu reviens à l'endroit où t'étais mort tout à l'heure. La violence de la rejoindre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est là où tu t'es déconnecté. 1, 2, 3. C'est là où tu t'es déconnecté et où tu étais décédé. Ça fait pas du tout Sirim, mon truc là. Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors on reprend moins crispé. Ah, putain, par contre, j'ai plus de munitions, merde. J'en avais 7, j'en ai plus. Il y a une caisse derrière. Repart en arrière, ouais. Non, de munitions de spécial. Ah. Bah, non, pas à bas, parce que j'ai déjà fait la mission d'avance sans munitions spéciales. Allez, go. Oui, bah, c'est ça. Ça saoule, putain. Quand on est mauvais, hein. Enfin, je... C'est pour vous montrer que je peux être bon sans munitions spéciales. Voilà, c'est ça. Y'a du monde, là? Ah oui, y'a du monde. Ah oui, y'a du monde, ouais. Non. Gotcha. Bon, ça passe pas à travers. Ça contourne à droite. Ouais, ouais, je m'en occupe. Ça brûle, hein, connard. Ouais. Je suis en surveillance à gauche. C'est bon, c'est bon. Oh, bah, d'accord. Bah, j'ai claqué tous mes trucs pour rien. Moi. Ah, voilà. Moi aussi, je sais faire des roulades. Hein. Ouais, mais elles sont pas aussi classe que la mienne. Ça, ouais, ça, par contre, je suis d'accord. Ah non, je t'ai dit, mauvaise foi. Toujours avoir le dernier mot. Il fait chier à nous faire rentrer en combat avant même. Ouais. Ok, on va se prendre une petite position. Oula. Ah bon? Ok. Bien, one shot. S'il vous plaît. Ah, j'ai tiré sur un extincteur à côté d'un mec qui passait par là. Il a pas aimé. S'il vous plaît. Attends, qui intéresse que je me fais péter. S'il vous plaît. Merci. Ah. Ah, mais c'est bien parce qu'il y a vraiment aucun endroit où on peut se. Ok. Repli. Ok, on les prend dans le couloir là. On peut les faire venir. Ah bah non. Bon, priorité, cette décision est invalidée, ouais. Cette décision n'est pas valide, on n'est pas des Tarlouzes. Ah bon? Quel est le rapport avec les Tarlouzes? Aucune. Je suis démolisseur ou je suis pas démolisseur. Hein. Ils avancent, moi je vais faire reculer, c'est bon. Et tu avances quand je recule. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites là dans le coin? Culez. Ah. Allez, tire, putain de tourelle à la con, là. Ah, mais d'accord, ah, putain, faut que j'appuie une fois pour le viser et une deuxième fois pour qu'il snipe. Oh là là, au secours. Attends, hop, hop. Mais... Voilà, ta gueule. c'est normal qu'il s'est affalé contre le mur à côté. Ouais, c'est... J'ai compris comment marchait ma tourelle, ça y est. Faut appuyer une fois pour qu'il le vise et une deuxième fois pour qu'il tire. Ouais, c'est clair. Le mec il s'est fait arrêter quoi, genre non, pas par là. Il s'est clairement fait arrêter par le mur en plus. C'est-à-dire qu'il est mort, il a continué sa course pendant qu'il était mort et c'est le mur qui l'a arrêté. Le cavalier sans tête. Des yeux. D'accord. Des yeux. Moi je crois qu'il y a quand même des problèmes de texture.
parce que les points d'exclamation sur fond bleu qu'on voit partout, c'est quand même très très présent, quoi. Regarde là, là ici, là. Tu vois quoi, Max, toi, devant moi? Ah ouais, là, je suis bloqué dans le mur. Ils sont un peu décalés, quoi. Du problème. Ah, ah, il est jaune, il est jaune, il est jaune. Je me suis retrouvé face au mec, quoi. Ah là, c'est con, putain, comment on se met à couvert? Le troisième, qu'est-ce que... Bon, bah, c'est pas grave. Ah oui, il y a une couverture, là. Alors... Ah bon? Aïe. Mais aïe. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Alors, c'est un énorme grenade du vent, quoi. Aïe. Mais qu'est-ce que je fais? Putain, j'arrive pas à te réanimer. Un mec qui t'arrive juste derrière. Oh, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Ah non. Quel échec, quoi. Ah bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Oh, y a un robot pas gentil. Ah, y a un monsieur pas gentil non plus. Je me sens un peu Scrooge là quand même. Merde. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Échec de l'objet. Ah oui, c'est chronométré. Ah, c'est tellement bien indiqué que tu t'en rends pas compte. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que tous ces... Ah bon, a priori, écoute, tu tires en bas. Ça s'est bien déroulé, en tout cas, c'était vraiment propre. Ah, c'était... On était plutôt au point. Peut-être récupérer mes... Non, toujours pas, non. Bon, d'accord. Non, c'est moi maintenant. Culé, dégage. Ah bah quoi, ça y est, y'a plus personne maintenant. Prêt? Ah bah... Ah bon, bonjour. Ah mais ça va, marche-moi dessus, sinon je te dirai rien, connard. Voilà. Est-ce que tu peux me couvrir? Ah bah non. Bon bah ça va, on est... Oh, pff, ok. D'accord. Ça va, Aaron? Je me sens mal, là. Ah, je peux observer, par contre. Moi, ça va. Je suis un peu dans l'eau, moi. Moi, je suis au sec, là. Je suis sur la plateforme en métal. J'ai juste le pied dans l'eau, mais ça va. Moi, je suis en train de me noyer, là. Toi, t'as carrément la gueule dans la flotte. C'est ça. Face contre... Je sais ce que je peux, la gueule est dans l'eau. Ah, on va se prendre une grenade. Ah, on peut réapparaître. Allez, je réapparais. Parce que tu peux, mais tu fais pas assez. La petite pression, quoi. Ah, il nous reste 3 secondes. Ouais, on peut le faire, les mecs. Une seconde, on peut le faire. Eh merde. Putain, j'avais le doigt dessus, culé. Bon, alors on va passer. Je vais changer de grenade déjà. Parce que moi, les flashs, j'aime bien, mais ça fait pas assez mal. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser que je les ai pas utilisés encore. Ah. Ah. Les grenades, alors attention, les flashs, ça fait pas assez mal, quoi. Ta gueule. Ah, mais regarde, y'a de quoi. Oh, ça va, l'autre me... Oh! Regardez-moi, ce petit... Le chrono est lancé pour de... Mais on lance plein de trucs ici, quoi. Ici... Ah, ta gueule. Non, toi, ta gueule. Oh, ils ont pas aimé ça, par contre. Oh putain, on peut pas appuyer sur le bouton, ta race. Ah. Putain, mais... Ah bon. J'ai tué le jaune. Alors, vraiment, il me regarde droit dans les yeux, le jaune. Qu'est-ce que je dois faire, là? Il y a un autre jaune, alors. Ah, bah, y'a un... Bonjour. Bonjour, petit. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être tuer le robot qui se fout le camp, là. Bon, bah, c'est mort, 4 secondes.
comment on fait pour aller plus vite que ça? Bah, on joue avec quelqu'un d'autre que toi, c'est... Ta gueule. On peut pas l'activer sans non. les tuer, là? Non. Non, on est obligé de les buter. Non, déjà, on a perdu du temps, là, au début, donc on y va. C'est vachement bien indiqué, quoi. Non seulement le chrono, tu le vois pas, mais en plus... Allez, on y va. Ouais, le robot, ça sert à rien de lui tirer dessus, d'un crevasse. Ouais, on peut pas le... Normalement, si tu tues le jaune, là, le contrôleur, l'opérateur, ça nique le robot. Ah! Merci. Ok, je suis full armure, il me met un coup de crosse, je meurs. Okay. T'es où? Oh putain. Aïe! Je viens d'où, putain? Putain. Je me sacrifie! Ah. Derrière les serveurs. Ah bon? Ok. Ok, d'accord. Bon, ok. La tristitude. Quand tu te fais poutrer t'as la tête dans l'eau. Ah, ça par contre, ça va changer, c'est vachement désagréable, c'est le syndrome des rushers, quoi. T'es full vie, full armure, il te met un coup de crosse, t'es par terre. Ouais. Ouais. Ça, ça va pas le faire par contre. Bah c'est The Division. C'est ça. Allez, c'est parti. Je contourne par là, moi. C'est merde, j'ai un jaune sur moi. J'ai 20 ans à recharger, putain. J'ai un jaune sur moi. Bah ouais. On se fait rusher et ils nous démontent, les gars, quoi. On est pas assez... Merde, putain, c'est toi, gros. On a un mec derrière, Max. J'ai rien compris du tout. Ok. Bon, je vais changer d'arme parce que ça me... Oh mon dieu, c'est long, putain, c'est long, c'est beaucoup trop long. Ouais, c'est parce que je suis dans les 30 secondes où je vais mourir. Bien joué. Ouais, mais il reste 20 secondes, c'est mort à mon avis. C'est bon, j'ai. Ouais. Putain, allez c'est... Bien joué. Ah mais tu perds tu perds un temps fou à chercher le jaune de merde là. Ouais, j'ai pas eu le temps de mettre. Allez, vas-y, mon merde, allez, hop. Comment? Ça va, Oro? Il s'est passé quoi? Non. Vas-y. C'est passé qu'il était à côté de moi, je l'ai... Il est en train de réparer le robot, J'étais pas dans la zone d'effet de ma grenade, mais je me la suis quand même mangée. Il a réparé ce baltringue de merde. Bon, alors lui, il va... C'est bon, il est down. Ouais. Je crois qu'Auron s'est énervé. C'est bon. Bah, j'ai cramé toutes mes munitions, mais... Alors, faut que je change d'arme parce que le fusil à pompe c'est bien, mais en fait c'est pas bien. Faire à gauche. Multiple contact.
mec il prend ma place. Vas-y, vas-y, vas-y. Quand vous le voulez. Attendez, je balance mon mortier. John, faut essayer de choper les rouges en premier. C'est ce que je suis en train de faire déjà. Yes. Il y a un snipe fond gauche. Vu. Merde, raté. Ah putain, je suis presque morte cette salope. Ah, ça m'énerve. C'est bon, elle est down. Derrière toi, Auron. J'ai mangé. C'est bon, il est down derrière toi. T'es où, Max? Je te vois pas. Je suis derrière la voiture. Putain, mais je te vois pas, ça. Ah, ok, vu. La gueule. Wow. Recharge, recharge, recharge. System malfunctioning. What? C'était quoi ça? Laisse relever le jaune. Putain, j'en ai le cul de leur drone, hein. J'avais des munitions et spéciales, merde. Merde, on est shooté tous les deux, Max. Péton lag, je me suis vu me mettre à couvert, puis faire un rollback et crever. Super. Faut se faire à droite, attention derrière toi. Ça arrive. Ouais. Oh la salope! Sérieux? Oh, elle a fait un putain de. Elle est belle cette bagnole, sinon, non? Il y avait pas cette mécanique dans le 1 où quand tu te faisais péter la gueule deux fois de suite t'étais mort. Sérieux? Ouais, je sais, sérieux trauma détecté, ta gueule. Putain, ils viennent me chercher, bordel. Aïe aïe aïe! Oh putain! Putain! Mais putain! Je réapparais. Putain, je suis où là? Attends, putain, il me fait réapparaître au. Commence à me faire chier un petit peu là. Oh putain le robot. Putain le robot.
sérieux, c'est à ce moment-là qu'il s'en va, quoi. Bon, ouais, je suis... Oh, je pense circuler de partout, moi, je comprends rien. Faut vraiment qu'on le fume, ce bâtard de robot, parce que là... un vrai problème, voilà. Aïe, bouge pas. Sérieux. Je suis tombé comme une merde. Oui, je voulais aller vers Doc comme toi tu couvrais. Bah, j'étais à portée de réanimation, je spammais F mais ça remplissait pas la barre, je comprends. La blague. Ouais, fallait que tu t'arrêtes de bouger, je sais pas. Et là vous pouvez pas me revive là, c'est ça? Bon sérieux quoi. Là je pense que si je peux, mais t'es en plein milieu de tout. Ouais non mais laisse tomber. Je réparais. Alors, bouge pas. Ah trop tard, désolé. Non Doc. Alors j'ai un petit problème aussi avec le snipe au fur et à mesure, je commence à m'en rendre compte. Parfois tu tires sur les mecs en ayant bien la visée dessus et ça leur fait rien. Donc je sais pas pourquoi. A priori le robot a explosé. Ouais. Ouais j'ai entendu. Oui, faites gaffe. Hein. Mais c'était pas aussi nombreux tout à l'heure, bordel. Non, je pense qu'il y a, comme on a reculé, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. Non, je pense que c'est le mode difficile. C'est bon, le violet. Bordel. Ah bah c'était chaud hein. Une caisse là. Ah yes. Bah moi perso j'aime bien. Ah oh bah oui il y a du défi hein. Ouais. On y va un peu comme des porcs aussi. Donc je pense que vraiment tu lootes les munitions en fonction du nombre de joueurs. Je sais pas. Ou alors c'est dépendant de la classe. Je sais pas. C'est vrai qu'hier j'ai joué sniper, je lootais non-stop quoi. Là, ouais, bah, moi aussi. Quand ouais. Même super rarement. Là, je viens de refaire mon stock de munitions, tu vois. J'en ai eu 3. Ouais, moi j'en ai pas encore looté pour l'instant. C'est pas plus mal, ça t'oblige à vraiment choisir quand l'utiliser, parce que vu la puissance du truc, j'avais peur que... soit trop abusé. Ouais. Tout à l'heure, j'ai cramé toutes mes munitions, mais bon, c'était pour péter le mec qui était casse-couille, quoi. Ouais, ouais. Ah. Quoi ? Oui, ça va. On va rire ici aussi. Ah ouais, putain, je me rappelle. Rien n'est prêt pour moi. Bientôt, mais pour l'instant, c'est pas prêt encore. Je vais prendre position à droite, moi, parce qu'ils vont encore contourner dans les barres, là. Ouais, je suis au centre, moi. Ok, je suis prêt. Alors, est-ce que je peux la foutre là ? Ah, dommage. Je suis au taquant sur la mitrailleuse. Quand vous voulez. Allez. Oui. Allez, c'est parti. Putain, tu vois, regarde, tu lui ai mis une balle en pleine tête. Et ça lui fait rien, tu vois. Il a même pas de... Ah oui. Ah, tu viens de lui remettre une autre. Enfin, j'en ai mis 3 là. Pleine tronche. Ah, c'est bon, ça fait rien du tout. En fait, quand ouais. Il tire, je sais pas pourquoi, tu peux pas. Bah, ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est débile, on est d'accord.
Il y a une mer jaune qui arrive à droite, je Putain, mais voilà. Ça va? Ouais. Bah, j'ai plus de bouclier, quoi. Il y a un jaune, les gars. J'ai l'impression que quand il est de face, avec la mitrailleuse, il considère qu'il y a un obstacle devant. Parce que là, il était de côté et je l'ai eu. D'accord. Ça fait chier, je suis d'accord, mais... Oh, joli. Il y a un souffle quand même pour passer à droite, hein. Ouais. J'ai la mitrailleuse qui est prête. Drone. Il envoie un drone. Montre-moi ta tête, connard. Vas-y, John. Allez, crève. Oh, tu vois, ouais. C'est bon, c'est juste que je vais charger. Putain, c'est vraiment naze, quoi. Ouais, je sais, je râle. Ammo status is black. Et il va creuser ou pas? Ah voilà. Arrive à gauche. Putain merde, ça arrive, ouais. Ouah, taillot. Oh putain, la mitrailleuse, merde. Robot. Je pensais pouvoir retourner la mitrailleuse contre eux, mais elle a pas un débat. Ah bon. Ah putain, ah, faut reculer. Saloperie, putain. Faire foutre. Attention, merde. Bon, bah voilà. T'es down aussi? Ouais, ouais, on est tous morts, moi ça fait longtemps. Faut vraiment qu'on fasse des pumps, qu'on déclenche la nouvelle vague, qu'on recule, qu'on se remette tous dans des positions un peu plus sécures. Je suis pas fan moi du gameplay sniper. Ah moi j'adore. Ouais, j'adore ça. Ah, deux snipers. Après on n'est pas obligé hein, mais bon. Non, deux snipers, je veux dire l'arme spéciale plus l'arme principale, bon. Ah oui. Puis bon, jamais avoir de munitions, ça va aussi quoi, mais bon. Rien déclencher l'autre. Je vais déclencher la vague. Salut Tarlouze. Ah, bah y'a plus de vague. Ah bah, ok. Ah si, oh putain. Ah putain. Aïe. Oh, viens te foutre à l'abri, mon poule, viens te foutre à l'abri. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ouais, mets-toi à l'abri. Ouais, bah non. T'as vu tout ce que je me suis pris alors que j'étais à l'abri, quoi? Ouais, ils t'ont envoyé les drones, en fait. C'est l'autre derrière, là. C'est pour ça que je t'ai dit de reculer. Ah, moi j'aime bien. Allô? Ouais. Oui? Ah, t'es déco. Ah ouais, micro déco. J'étais déco du jeu, mais pas du Discord, mais j'ai plus rien entendu pendant deux bonnes minutes au Discord. Ah. Merde. Bon, on te voit déconnecter, donc normalement, si tu reviens, tu seras toujours dans le groupe. Bon, j'avoue, le survivaliste, il est un petit peu nécessaire dans les trucs en difficile. Mmh. Ouais, je pense. Ouais. Bah, tout le monde est nécessaire, en fait. Oh putain, j'ai la vidéo, quoi. Attends, mais sérieux. Oui. Comme moi, t'as l'air... Testez votre bêta, quoi. Sérieux, faut chier. Ah, ça me dit qu'il est à terre, maintenant. Plus qu'il est déconnecté. Ouais. Putain, il est nul à chier cette vidéo en plus. Bah, c'est juste, à mon avis, c'est un vieux truc de remplacement quoi. Bah, il n'y a pas de son quoi, c'est du texte. Ouais.
Où est-ce qu'il est là? Putain, je le vois pas. Après, il y a vraiment la technique du goulot d'étranglement comme on faisait avant, mais... Putain, à 4, si ça s'adapte et qu'il y a plus de mecs, on va se marrer. Ouh là là! Oui. Et alors l'autre là, avec sa mitrailleuse, ça m'emmerde. Parce que tu shoots, tu perds des munitions d'armes spéciales, ça le touche pas, bon. Oh ouais, après moi, l'arme spéciale, j'utilise vraiment sur les jaunes, quoi. Bah en fait, c'était un jaune qui était la mitraillette, la mitrailleuse tout à l'heure. Donc j'ai voulu essayer. Ouais. J'ai mis 3 headshots, mais en fait, il n'y a même pas eu de dégâts. Ah ouais. Donc quand il est en face de toi, effectivement, c'est considéré comme s'il avait un bouclier devant lui. Et dès qu'il est tourné et tire sur quelqu'un d'autre, ouais. Tu peux. Ah, la bonne blague. Quoi? Ouais. C'est au début de l'instance. C'est tout au début, donc je vais me taper tout le truc à pied. Et il me restait une grenade dans mon lance-grenade avant de crever. Et là, j'en ai 0. Et t'en as plus. Bah, ah bah, comme moi tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Bon bah je suis là dans 4 km. Mais c'est vrai que du coup les spéciales, enfin en tout cas pour le sniper, c'est un peu étrange quoi. Les quoi tu dis? Les armes spéciales, enfin l'arme spéciale du sniper, ouais. C'est quand même un peu particulière quoi, oh, parce putain, que quand même ils sont hyper mobiles. Oui, est-ce oui, ouais. Non, j'ai cru qu'il y en avait une qui arrivait sur moi. Je fais dans les menus, j'entends un PNJ à côté de moi, mais non. Ah bah, je suis bloqué par une porte fermée que je peux pas ouvrir. Attends, on arrive. Tu peux pas te TP sur l'autre dans l'instance? Bah, je sais pas comment. Sur la minimap, tu peux pas faire... Tu sais, X sur nous, un truc comme ça. Bien vu. Ok. Ah, super. Il est là, il est devant nous. Ouais, je suis en train de revenir. C'est la première ou la deuxième vague là? Normalement la deuxième. Ouais. Ah, attendez, ils sont 20 000 au milieu là, non? Ouais. Ouais, tu vas pouvoir y aller là. Ah, bah non. Ok, alors, à savoir... Le drone là que j'envoie, en fait, je pensais qu'il faisait pas trop de bruit et que... Mais non. Ah bah il le voit, hein, clairement. Ouais. Shit, he's dead. Oh putain, ça me saoule. Qu'est-ce qu'il y a? Bah tu tires dans le torse des mecs, ça leur fait rien, quoi. Dans le torse, c'est normal, faut viser la tête absolument avec le truc, sinon tu gaspilles tes munitions. Oh putain. Y'a que dans la tête que ça one-shot les jaunes, l'arme ultime. D'accord. Ah bah oui, mais quand tu chopes le torse, au moins ça enlève un peu de vie. Bah y'a un gros dégueulasse qui arrive sur moi. Où ça? En colère commode. À droite. On l'a vu, ouais. Déjà, il m'a pas dit bonjour. Alors tu lui as niqué sa mère. Oh, beaucoup de monde. Sérieux, le mec il est venu péter ma petite tourelle. Il est ok, je viens de me manger en l'espace d'une seconde 2 drones sur la gueule, super. Ouais, il les envoie, ouais. Max, t'essayes de me couvrir, je vais sur Auron. Attends, ouais, vas-y. Ah bah super. Oh non, putain. Mais allez, mets-toi à couvert. Oh le, va chier. Je suis à côté d'un muret, j'appuie sur contrôle pour me mettre à couvert, il reste là comme un con, en mode regardez, je suis là, vous pouvez mais me tirer dessus. Le contrôle, c'est pour sauter.
Oui. Non, moi c'est j'ai inversé. Alors, quand vous tirez, vous savez, en étant caché, et qu'il y a une balle qui arrive, et ben ça peut vous one-shot pratiquement aussi. Alors, ils sont où? Ah, a priori, ça a pris en compte parce que j'ai un loot là. Il n'y a plus personne au milieu, je sais pas où ils sont. Ouais. Oh putain! Les voilà. Ils ont rushé comme des pétés la tourelle. Merci Yoshi, merci pour le host. Ça fait plaisir. Bienvenue à toi sur la chaîne. Tiens, mange. Allez, on va y arriver. Ça arrive à gauche. Oh putain. Ah putain, mais je me prends des trucs. Oh, attends, je suis obligé de... Ah, y'a un chien là. Ah, Robotrain. Il fait le tour. Ouais. Oh, il est coincé dans le bar là. Ah, ça m'énerve ça. Oh putain, j'en ai marre. Ah. Ah, il arrive et il est pas content. Puis alors moi, avec mes grenades flash, je vais avoir aucun effet sur lui, quoi. Ouais, bah moi, tiens, j'en ai. Oh, c'est tout ? Ok. Bon, alors, vaut mieux... Merci Yoshi pour le follow, ça fait super plaisir. Ouais, non, mais ouais, mais c'est un peu le bordel de partout, hein. Le robot, mieux allez, vaut tirer dessus que lui balancer des grenades, ça lui fait rien. Ouais. Les grenades. C'est bon, il est down. Il est down. Ah bah c'est bien. Je reload. Putain, mais ça arrive de partout. Eh ben on est en difficile, hein. Ok, je vais essayer de balancer une flash. Il y a un jaune qui se balade là. Ouh, ça pique, hein. Attention, drone en approche. C'est bon. Ah, enfin des... C'est vraiment casse-pied, par contre. Je me demande s'il n'y a pas une question. Allez, passe la tête, toi. Ah, putain. T'as pas cette impression, franchement, John, que des fois, quand tu tires sur les mecs, ça les touche juste pas du tout? Ouais, même dans la tête, ouais. Ah ouais. Je suis d'accord. Il est fixé, l'autre. Ouf. Vas-y, laisse-le... Boum. J'ai tiré dans le sac à dos. Joli. Sac à dos, c'est la méthode d'or. Attends, je rappelle, mais... Bon, bah c'est bien, il y a du défi quand même, hein, malgré tout. Oh, il y en a. Il y a du défi sur le mode difficile. J'ai un bug insupportable, je sais pas si vous avez le même. Quand je sélectionne mon arme signature, je dois spammer la touche comme un pété, parce que 3 fois sur 4, il me prend une autre arme en main. Ah non, moi... Ouais. Moi ça va. Ouais, moi ça va aussi. J'ai le bruit de l'arme signature, qu'elle se met en surbrillance dans le HUD, mais il prend mon arme principale en main, quoi. Ok. Par contre, attends, j'ai le point de... Là, hop. On n'a pas une... Ah oui, si, les munitions, c'est là-haut. Ouais.
Je suis prêt à ouvrir les rideaux métalliques. Ouais, je sais pas où on en est au niveau des... Okay, bah le mec passe devant moi carrément pour me le prendre, quoi. Rageux. On va essayer de cibler en priorité le connard à grenade. Non. Il est où? Alors attendez, je vais leur balancer ma merde à roulette là. Ah bah non, attends, mon truc mortier, ça va faire un carton là-dedans. Ah oui, bah oui. Non, j'ai plus de grenade par contre. Quand vous voulez, je suis prêt. Ok. Ok, il n'y a plus de brouilleur. What? C'est le robot. Ah bon? Wow. Non mais c'est bon peut-être, non là, ça va. Les robots rush. Ouais, vu, attention, bon. Oh, sérieux? Ah non, c'est toi, Doc. Ok, j'arrive. Robot derrière toi. Allez, on y croit. Bon, j'ai plus de soins par contre, hein. Va falloir vous débrouiller, les gars. Ou claquer vos... Wouah. Bah voilà. J'arrive. Putain, mais les drones, quoi, c'est insupportable, sérieux. Ouais, j'avoue. Ils sont chauds. Oh mais putain, sérieux. Là je peux rien faire, si je peux. Ça va être long, il est mort. Hein. Ouais. Moi c'est... t'es à moitié. Il faut absolument qu'on... Y'a le robot. Ah, y'a le robot. Y'a le robot. Je me suis défoncé, Ouais. Pff. On est down tous les trois, ok. C'est moche, bon. c'est moche. Hein. Ouais, ça va, c'est bon. On sait, je suis mort. Changer de stratégie. Allez. C'est quoi l'icône du mec qui lance les grenades là? Bah, il a une grenade au-dessus de la tête, mais là. Ok. Dans le Capharnaüm, c'est un peu compliqué quoi. Je suis prêt à lancer une flash sur eux. Attendez, je balance mon. Après, je peux plus l'utiliser. Aussi. Ok, go. Ok, bah ok. Quoi? Il y a déjà un robot qui se ramène. C'est quoi ce putain de bruit là? Ah! System curtailed. Oh, damn it! Rush. Pourquoi ça marche pas? Wow. System activated. Il est down. Bien joué. Moi je brûle. Ouais, mets-toi en sécurité. Vital signs critical. Ouais, j'ai vu. Agent incapacitated. Ça rush derrière nous. Un jaune là. Yes. Putain mais je comprends pas. Ah. Salut Karen. Bah écoute, on teste enfin le endgame et c'est beaucoup plus novateur. Wow. Que ce qu'on a vu jusqu'ici, donc c'est très positif. Drone. Ouais, vu. Yes. Ah putain. Bien joué.
D'où ça vient. Un robot en bas à droite. Bon, je claque un... Je claque un soin, moi. Vas-y. Il y a un gus à droite, là. Je recharge. Ouais, c'est bien. C'est... On voit enfin un peu de différence, là. C'est vrai que moi, j'avais un peu de crainte et... Je vois plus rien. Comment ça, tu vois plus rien? Si, il y en a un à droite, là. Ah, ok. C'est bon, il l'a buté. Tu l'as eu, bien joué. Il a sorti un drone, je lui ai fait péter. Attends, avant d'avancer, j'ai pas encore mes gadgets. Je voudrais juste aller chercher mes... Tes munitions? Munitions spéciales là-bas, là, ouais. Bah, à mon avis, le brouilleur là-bas en dessous devrait pouvoir le sniper, non? Celui à droite, non, mais... Il y a une... je sais pas. Celui à gauche, il est où? Oh, une M60. Oh, ça fait plaisir, ça. On l'a zappé ce coffre-là. Ouais, je l'avais pas vu moi les autres fois en tout cas. Ah, je vais me sortir un peu mieux avec une M60 là. Que le coup par coup, absolument. Il y a des mecs qui arrivent à droite. Oh putain! Oh d'accord. Putain, oh, tu m'as fait peur. Quoi, j'ai pas besoin de traverser sans me prendre une balle. Ouais, j'avoue. Bien joué, drone à droite. Drone, ouais. Je recharge, putain. Ouf. Tiens, mange. Oh, fleur de bidet. Y'a un mec au balcon à droite. Ouais, vu. J'en ai un à gauche aussi, là. Down. Midi, 1h là. Je suis sur le mec au balcon là, mais il est résistant. Ouais, vu. Ça y est, allez, encore un coup, il crève. Ah, foiré. Oh, je suis obligé de me remettre à couvert. C'est bon. Je me fais engager balcon de droite là. Il arrive, ouais, vu. Il s'est remis à la place de l'autre. Oh! On me demande s'ils arrivent pas à l'infini tant qu'on n'a pas pété l'autre truc en fait. Peut-être. Bon, je me soigne et je. Je commence à être. Si on s'amonte là. Ouais, moi pareil. Il y a un jaune qui arrive là, à mon niveau, à gauche. Bas des escaliers. Toi non. Putain mais... Tu fais plus de dégâts au corps à corps que moi avec mon arme spéciale, va comprendre. Bon, je rush droite, hein. Allez, go. Ouais. Y'a un mec en haut. Bon. Allez. Cliquer un peu les soins là parce que là, ça pique un peu. Il balance des drones là-bas, ça arrive. Par la droite. Jaune à droite. Max, au-dessus de toi. Yeah.
Et vous le voyez pas le gars là? Non. Ah oui putain. Mais rien. Ah mais je le voyais pas effectivement. Il est down. Drôle. En fait vous étiez tous les deux dessus. Ah ouais non mais je le voyais pas. J'étais mort, il était en train de me réanimer donc. Aïe. Il y a du monde en face. Non, je vais essayer de le sniper avec l'arme spéciale. Ouais, vas-y, essaye pour voir. Lâchez-le. Allez, lève-toi. Ouf. Non, c'est des munitions explosives en fait. Non, il était en train de lancer un truc en fait. Je crois que j'ai tiré dans son drone, ça lui a pété à la tronche. Il y a quand même des petits soucis de précision, franchement. Tas de précision, donc est-ce que ça joue? Aucune idée. Non, mais ouais, comme s'il y avait des murs invisibles en fait. Ouais, c'est ça. Allez, go pour le... Peut-être des lags, je sais pas. Moi j'ai toujours la notif en bas à gauche, là, non-stop. Ouais, connexion serveur. Moi hier j'ai pas eu ce problème là, ouais. Donc je sais pas. On est samedi soir, il y a peut-être un rush de... Attends, c'est vraiment chiant quand même. T'as l'impression de servir à rien, quoi. C'est une bêta, hein. Ouais, je sais. Ça se calmera après. Ouais, gauche, on va les rusher quand ils posent le pied. Ouais. Allez, go. Sors mon lance-grenade. Qui veut bien. Ok, bah là par exemple, effectivement, j'ai fait 0 dégâts. J'ai mis 2 munitions et y'a personne qui a été touché. Bon, je suis pas hyper bien placé, je bouge. Oh, joli! La tourelle qui nous a protégé là. Crève, enfoiré! Allez! Putain, oh, ça m'arrive dessus. Non, pas ici. Allez, remonte. Personne a des grenades là. Sérieux. Non, putain, t'es sérieux. Ah, faudrait vraiment que je... Dommage que je puisse pas filmer moi, tu vois. Pour ouais, pour voir. Ouais, ah non mais t'inquiète, hein, j'ai shot et ça ne fait rien quoi. La même chose. Ça lui fait rien du tout. Ok, le lieutenant arrive. Ah putain, rusher. Quoi que je me suis pris là. Qui va recharger le plus vite? Waouh! C'est moi! Merci parce que. Il m'est arrivé vraiment sur le coin du nez. J'ai complètement nettoyé le hélico de droite au lance-grenade, sont tous morts. Non mais quelle machine quoi! Carrément. Quel beau gosse! Il est où, lieutenant? Ah, ok, là-bas. Il est tout seul? Ouais, il est tout seul. Je le contourne. Ah, vas-y, va te mettre. Parfait, alors là, mets-toi là. Bon, ouais, c'est clair. Tiens, surprise. Allez, hop, ça dégage! Et je lui ai tiré dans le dos. C'était pas très gentil pour lui. MK20 SSR SOCOM. Oh. Tu vas pas aimer, c'est du contre-snipe. Ouais, je sais. 27 000. Non, mais chargeur de 20, ouais. Ok. Comme d'habitude, il y a une armada qui nous attend dehors. Oui, normal.
Ouais, une armada donc, tu as fait ton petit déj, a priori. Bon, il y en avait que deux, mais tous les autres se sont barrés là-bas dans le fond. Non. Allez, viens là, je voulais... Ah, je voulais l'avoir au corps à corps. Ok. Bon, j'aime beaucoup, mais il y a quand même pas mal de corrections à faire. Hein. Ouais. Les par exemple, les grenades qui font moins de dégâts que les fusils d'assaut, bon, ça c'est quand même un peu moyen. La précision des tirs, alors ça c'est... Ouais, ça va peut-être être ajusté. Tomber. Ah ouais. Après la difficulté, moi je la trouve bien. Alors Karen, pour répondre à ta question, est-ce que ça vaut en nouveau division ou est-ce que c'est plus un gros DLC? Là, franchement, ce qu'on fait là, en endgame vraiment redonne de la nouveauté par rapport à ce qu'on voit dans le premier. Ça remplace plus ou moins les sorts, enfin les compétences élites qu'on avait dans le 1. Je trouve que c'est mieux amené parce que non seulement t'as un nouveau rôle avec des nouvelles armes, mais t'as aussi des nouvelles compétences qui sont liées à chaque nouvelle classe élite, quoi. Donc je pense que plus encore que le 1, dans le 2, le vrai jeu va commencer au niveau 30. Est-ce que ça fait vraiment la blague? Ça faudra voir à l'usage. C'est surtout voir là les instances, enfin les instances, les comment ils appellent ça? Les interventions, non, je sais plus comment on appelle ça. Les invasions. Les invasions, il y a quand même du défi. A priori, on est quand même pas mal stuffé, et si on n'est pas coordonné, ça peut poser problème, quoi. Après, le truc un peu étrange, c'est vrai, c'est que comme c'est un jeu qui se base sur 4 joueurs, de n'avoir que 3 classes différentes, il y aura forcément un doublon. Bon. Pour le moment, j'avoue, j'en ai testé 2, j'avoue avoir préféré le survivaliste, avec son équipement de soins, son arbalète qui est assez intéressante, à voir si, après, est-ce qu'on pourra looter d'autres armes spéciales, ou est-ce qu'on sera bloqué avec la seule arme qu'on a, qui est déjà hyper puissante par rapport aux autres, ça c'est sûr. À voir. Ça... Ouais. Pour moi, c'est un autre jeu, quoi. Pour moi, c'est un autre jeu. À partir du moment où tu arrives niveau 30 et que tu peux choisir ta spécialisation, c'est vraiment un autre jeu. Maintenant, une autre question aussi qu'on se pose, c'est est-ce qu'on pourra, tu vois, interchanger? C'est-à-dire, est-ce qu'avec un personnage, si tu choisis le survivaliste, t'es bloqué survivaliste ad vitam, ou est-ce que tu peux interchanger? Parce que sinon, ça veut dire qu'il te faut 3 persos. Bon, à voir. Mais ouais, je suis un peu... Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais de ce que j'ai vu sur Discord, on était assez d'accord sur le fait que c'était un très bon rafraîchissement de The Division 1, mais avec cette impression un peu que c'était juste un rafraîchissement, quoi. Pas vraiment un nouveau jeu. Là ouais. Là, il y a quand même du contenu plus intéressant, plus excitant sur ce qui se passe au endgame, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, ce serait infernal d'avoir 3 persos, quoi. Vraiment, j'espère qu'on pourra avoir un perso sur lequel on pourra switcher l'un à l'autre. Après, les gameplays sont vraiment différents. Je sais pas, là, vous deux, si ça vous embête qu'on en refasse une autre, même si on l'a fait en normal. Moi, je kiffe. Ouais, non, faut la refaire en compliqué, là. Ah, bah, très bien. Wow. Et dans ces cas-là, je teste la démolition. Mais là, déjà, le gameplay vraiment survivaliste et sniper, enfin tireur d'élite, c'est vraiment, vraiment différent. Et ça, c'est cool, quoi. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que ça redonne un petit peu l'impression de ce qu'on avait à l'époque pour les gens qui se spécialisaient plutôt en support ou en soins, les gens qui se spécialisaient plutôt dans le tanking, les gens qui se spécialisaient plutôt dans le DPS. On les retrouve là, ça a été un peu enlevé avec la disparition des compétences uniques. Bon bah du coup je décolle, je vais prendre mon perso Demolition Man. Mais je t'en prie Karen,
Alors, hop. Tac. Alors, démolition. Donc, démolisseur, on est d'accord, c'est que des armes avec des silencieux et dans la négociation douce. Hein. J'ai des coups reco, moi, parce que j'ai toujours zéro munition. Ouais, ouais. J'ai vraiment mal pensé cette merde. Ouais, ouais, et puis là, on a le. Moi, j'ai encore la cinématique. Oh, bah, je vais encore me la taper. Lui. Bah oui, oui. Eh oui. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais autant le début de jeu, je le trouvais assez similaire à The Division 1, même si moi je suis hyper fan du drone par exemple. Ça, c'est une vraie nouveauté sympa quoi. Hyper similaire le début du jeu. Mais c'est vrai que la fin, le endgame là, moi j'aime bien. Ouais. Et puis. Il y a pas mal de modes supplémentaires, il y a pas mal de loot quand même. J'ai pas encore vu la fabrication, mais a priori il va plus y avoir de système aléatoire comme avant, donc ça peut être intéressant aussi. Ah, c'est... t'es sûr de ça? Je sais pas. À mon avis, c'est toujours aléatoire la fabrication. Ah, bah c'est de la merde alors, pardon. Et mais là, à la fin, moi je m'amuse bien en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, ça donne plus à manger que ce qu'on a vu avant quoi. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce que vous pensez de Washington du coup? Car j'ai trouvé ça moins impressionnant que New York à titre personnel. Complètement d'accord. C'est pas la même ambiance. Ouais. Moi je. New York ça me parlait beaucoup plus. Et puis le côté. Juste après le début de l'épidémie. Enfin, juste après on est à la deuxième vague, mais vraiment proche du début de l'épidémie, la neige, le contraste avec les décos de Noël et tout ça, je trouve qu'il y avait un truc qui était vraiment réussi. Moi, Washington, ça m'évoque rien. C'est l'ambiance, ça me parle pas, quoi, vraiment. Non, mais après, ce que je veux dire, c'est moins impressionnant que New York, effectivement, parce que c'est moins froid, etc. Mais je trouve que c'est très beau. Et moi, j'aime bien l'ambiance, justement, où il y a un peu la nature qui reprend ses droits. C'est un peu la jungle, quoi. Hein, ça devient un peu n'importe quoi. Et moi, ça me plaît. J'aime bien. Le truc, c'est que je trouve ça moins original, en fait. Bon, même si j'imagine que The Division 1, c'était pas le premier jeu dans la neige, mais il y avait un truc qui faisait... Je sentais une espèce de pression, quoi. Tu vois, une espèce de truc hyper pesant et tout. Je le sens moins, là, sur The Division 2. Bon, après, peut-être que l'histoire va rattraper le coup et tout, mais c'est vrai que le... Je suis moins plongé dans la dangerosité de l'environnement autour de nous, quoi. J'ai plus l'impression d'être dans un... Ah, je te disais, tu sais, l'environnement me rappelle un peu The Last of Us, dans le côté ville abandonnée, rattrapée par la nature et tout ça. Du coup, c'est vrai que la comparaison est un peu difficile pour The Division, parce que The Last of Us, moi, je suis amoureux de ce jeu. Il a plein de points... Il a plein de points très, très sympas et très intéressants, mais c'est vrai que Washington, moi, ça me parle pas, quoi. Je pense que pour nous, Européens, Washington, il n'y a pas le côté Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge. Bon, la Statue de Liberté, on ne l'avait pas vu et tout ça, mais. Bon. Bon, ça ne marche pas, hein. Je suis toujours à zéro. Oh non, merde. Ouais, ben voilà, exactement ça, Karen. Comme toi. C'est toujours très beau, mais ouais, ça me. Mais tu sais, c'est un peu comme. Après, je pense que ouais, je suis prêt moi. Il faut faire quelque chose pour le reboot, ou pas? Ouais. Comment on fait? Tu vas sur ta carte, tu maintiens G sur l'instance pour la relancer et puis tu règles la difficulté. Ok. C'est vrai que moi j'aurais préféré peut-être une ville du genre San Francisco, même un Miami et tout ça, ça aurait vachement. Il y aurait eu vraiment une espèce de contraste par rapport à New York sous la neige et tout.
Là, c'est vrai que... Ok. Là, c'est en normal. Je peux pas la passer en... Pourquoi ? Attends. Je repars sur la carte. Ouais, je sais pas. J'ai... Oui. Régler la difficulté difficile, merci. Voilà. Et normalement, là, c'est bon. Ok, ça devrait oui, être bon. C'est bon. Mission d'invasion. Par contre, du coup, j'ai pas du tout regardé mes. Bah, regarde. Ah, ouais, je regarde vite fait. Ah, bah non, là, c'est mort, non ouais, Non, là, c'est pas mort pour moi, c'est pas mort. Donc, la tourelle, c'est bon. Par contre, je vais prendre le drone soigneur. Oh putain, j'ai un gros sur la gueule. Oui, vu. Merci Karen, ça fait super plaisir. Oh, aïe, aïe, aïe. Je tire dans son... Bon, ok. Tirer dans la tête, lui, ça sert strictement à rien. Comment on fait pour tirer? Comment je fais pour tirer? Je comprends rien. Je sais pas du tout comment ça marche la tourelle là. Ah oui d'accord ok. Ah oui ok d'accord, c'est bon, j'ai capté. En fait ça marche de lui tirer dans la tête, ça enlève le casque au bout d'un moment. D'accord. Ah oui. Grenade. Je comprends pas du tout la tourelle. Je t'en prie Karen, bonne soirée, salut. La tourelle c'est exactement la même que les autres, tu la poses avec eux et t'appuies une deuxième fois sur eux. En visant là où tu veux que ça tombe. Et après pour le déclencher c'est clic gauche? Non. Tu la poses avec eux, ouais. Et après quand tu vises avec clic droit, t'as un rond qui apparaît, ouais. Et tu vises et t'appuies sur eux. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait, mais... Ouais, il charge un truc et il se passe rien. Ah ok, d'accord, ça y est, c'est bon. Chien. À gauche. On tourne à gauche. On tourne par là. What? Mais attends, ils étaient combien là? What? Oh là là, putain, j'ai du vieux lag là, tout pourri. Oh merde! Le chien me regarde. Putain! Y'a un mec qui m'arroche. Ma gueule. Ouais, le chien, c'est bon, c'est down. Il y en avait deux. Putain, c'est chiant, les chiens là qui crèvent. Tire au-dessus de ton épaule. Back online. À gauche. John, à ta gauche. Agent down.
Merde. What? C'était quoi ça? C'était quoi? Tout le monde avec toi au rond. Je ne vois pas, non. Allez. Putain, mais sérieux quoi, t'es à couvert mais tu te fais crever. Il est où, Ron? Il est là. Mais y'a un putain de... Ah ouais, non mais laisse tomber, y'a un putain de drone derrière. Non. Dès que t'es soigné, je vais revive Auron. Ok. Ah, t'es revenu, ok. Ouais, t'as gagné. Je l'ai eu. Shade note. Get there as fast as you can. Prêt. J'ai pas encore toutes mes compétences, mais on peut y aller. Oh, lui s'est fait défoncer. Attends, laisse-le sortir le... Il est où? Ok, je confirme les grenades, ça ne sert à rien sur les... Sérieux? Il a plus d'armure le clébard. À droite, rond. Au secours. Il est down. Récupérer fréquence à micro-impulsion qui s'est... Putain, il m'a eu.
Derrière toi, Max. Merci. De rien. Target's right there. Joli, Max. Oh. Ouais. What? Ouais, c'est un drone. Il y en a un autre. Mais tu l'as eu. Tu l'as eu hyper tard. J'arrive. John, tu feras gaffe tout de suite dans tes midis. Je vais encercler de partout. On est là. Ça y est. Bon. Allez, ça dégage. Il y en a encore dans le fond là-bas. Ah, vu. Le vieux médic, quoi. Qui a tenté une percée. Pique, hein. Oula, ça va? Non. Ça a pas l'air, effectivement, je confirme. Recharge. Moi, je vais encore faire toute l'instance sans grenade, moi. Quelle blague, quoi. J'attends ici pour pas déclencher. C'est bon. Oh putain, cette salle. Ok. Shit, now they're throwing seekers. Fuck, grenade. Flank them, don't let them escape. I got you covered, man. What the hell was? C'est la mort. Ils ont ça derrière la bagnole. Oh joli. Il s'est pris un coup de tech. Un coup de tech même dans la gueule, lui. Bon, ok, c'est bon.
Ah, notre salle préférée. Ouais. Oh putain. Immunisé quoi. Oh, ça va. Aïe aïe aïe. Oh putain, il rush, il rush. Ouais. On a le temps qu'il faut, j'ai sécurisé le bordel. Y'a plus de chrono. C'est bon, allez down, allez down. T'as réussi à le. Putain, ouais. Ouais, ça marche en fait. Faut juste pas se faire tirer dessus pendant qu'on chipote. Y'a le robot qui arrive. Oh putain, Taïo. Il va crever là. Voilà, c'est bon. Ouf, oh, il m'a encore mis un coup de crosse, je suis mort quoi. J'étais full vie, full bouclier. Putain, sérieux. J'avoue que ça c'est un peu casse-couille. Ah non mais putain, ça c'était une des grosses conneries chiantes du 1. Donc nous si on le fait, ça lui fait rien 3 quoi. Points de dégâts quoi. Ça se merde. Tu le repousses, il en a rien à foutre. Il est fixé. Max, pousse-toi s'il te plaît. Pousse-toi. Oh putain. T'étais en plein milieu. Merci. Il était donc fixé. C'était le but de rester au milieu. Non mais bouge pas. C'est pas ça Max, c'est que tu faisais ça là. Tu faisais comme ça là. Je faisais quoi? Tu faisais ça. Ah. Et moi je voulais tirer avec mon arme et bah tu étais pas macro... Je peux pas m'accroupir dans ce Pourtant tu sais j'ai le vieux réflexe de d'appuyer sur contrôle. Hop là. Ah oh, putain oui je... Ah. GG. C'était beau. Ouais, ça marche bien quand t'as le temps de préparer, ça marche plutôt pas mal la tourelle là. Le problème étant que t'as rarement le temps de préparer. Voilà, c'est ça, à droite, à droite. Par l'autre part. Oh, putain, stop. Putain, mais heureusement que j'ai le machin qui me veille dessus là. Joli. Il y a du jaune, John. Putain, j'en ai ras le cul quoi. D'une partie à l'autre, que je me mette à gauche ou à droite, je prends cher. Bon, par contre, il bouge tellement vite que les zones fixes, bof quoi. Bah, c'est ça qui m'énerve. Activation retardée. Dans le 1, tu sais, le. Le flashbang et tout, là, tu pouvais le faire péter aussi vite que... Ah ouais. Là, c'est vraiment... ils sont sans arrêt en mouvement, donc... Machin, il fait genre, la zone, elle se referme tout doucement, en mode... On a bien pris en compte votre demande. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les compétences sur ceux deux, là. D'ailleurs, j'utilise quasiment jamais, tellement ils me font chier. Bah, c'est pas très confortable, ouais. Déjà, le système de visée est juste horriblissime, quoi. Ouais, non, ça c'est vraiment pas une réussite, hein, clairement. Tu dois jouer avec la souris pendant 3/4 d'heure, histoire de... Ouais, puis le curseur est tellement petit que... Bah, tu sais pas où il est, quoi, des fois. Wow, Max. Oh, sérieux? T'as un chien qui arrive en courant.
Il a pas de point faible, ce truc de merde, Timmy. Il va crever, il va crever. John, à ta gauche. Vas-y. Je sais pas d'où ça vient là, putain. Il y en a un là à droite là. Drone. C'est bon. Ah oui. Bon, on fait gaffe à toi. Les barres. Le chien est down. Jaune. Oh, c'est bon, il est down. Bon, ça pique. C'est quoi qui me tire dessus là? Putain, encore. Il y a un gros jaune qui arrive. Max, Auron, fais gaffe. À toi. Il y a un robot encore. Peut-être y aller doucement quand même sur les robots, non? Le robot, il y a un point faible dans les chenilles. Quand tu tires dans les chenilles, tu fais des dégâts critiques et ça l'arrête. Ok, super. Bien vu. Très bien vu. Voilà, c'est bon, ça a bien joué. Je te sentais tirer au-dessus de ma tête, donc je mouffetais pas trop. Vous êtes là? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi ça tire encore? C'est moi, c'est ma tourelle. Il y a encore des mecs dans le... I'll hold this area. Ah, y a pas eu de mort cette fois. Ouais. Il est vraiment bien ce petit drone de ciblage là. Ouais. C'est vrai que par contre faut qu'on se mette d'accord quand on utilise nos armes spéciales, sinon on perd des munitions pour rien, c'est vraiment gonflant. Ouais, je commence à prendre un peu ma classe en main là, c'est déjà plus simple. Oh non. Tu parlais de prendre sa classe ta en gueule. Main. Je sens qu'on t'a interrompu. Est-ce qu'on peut juste attendre que... Ouais, non. Quoique, non. Attends, je bois un coup quand même. Je me buff. C'est bon pour moi. T'as en plus sniper, ouais. T'as vraiment une armure en carte. Ah oui. Chien. Jaune à droite. Ah putain. Quoi? Pour faire des headshots, il faut tirer légèrement au-dessus de la tête. Ils ont fait une espèce de mini... Bah ouais, on a 50 mètres quoi, balistique au secours quoi. Ouais. Ouais, c'est naze mais c'est ça.
Ok. Chien à gauche. Mais il est chiant en fait. Mur, celui du milieu. Ah mais c'est vraiment celui de gauche qui me pose problème moi. C'est vraiment juste sur nous quoi. Ah c'est bon. System curtailed. Oula. Oula, j'ai un problème de son. Il est down celui du centre. Y'a un connard qui a repris la Gatling. Attends, je m'en charge. Oh bah, pas besoin. Bien joué. Bien joué. Drone is coming to you. Les mecs qui nous préviennent, ils sont gentils. Drone is coming to you. Charge notre passe. Oh putain la grenade. Bon, tu feras gaffe, t'es... Il a une IOM sur toi là. Qui est ? Attends, ça vraiment je peux pas venir. Je suis vraiment dans la merde. Merde putain c'est pas ça. Max t'es down ? Non, je suis là. J'ai du violet à droite. Il y en a un derrière le comptoir. Ah, je vais être ça. D'où ça vient? Putain, d'où ça vient là? Mais putain, d'où ça vient? Je sais pas d'où. Je comprends pas, j'ai je comprends rien pas. Vu. Ça vient ouais, de, j'ai la... Rien vu, j'ai ça venait de la droite là. Ouais, ouais. Putain, mais pourquoi je peux pas me mettre à couvert là? Allez! Putain, y'a des endroits où tu peux pas te mettre à couvert. Bon, désolé, Ron. Hein. Trop le bordel là. Bien joué, Mac. Bien joué, bien joué, bien joué. Ouais, c'est bon, il est down. Ouais, là c'est mort. Je m'en prends trop plein la gueule, quoi. Ah, faut pas trop avancer, ouais. Mais, je suis toujours au même dur. Endroit. Ouais, ouais, même je endroit. Sais. Merci, ouais. Bon, je même recule ça... parce que... Là, je trouve que c'est trop avancé. Ouais, viens. Oh putain, t'as vu, on commence un peu à me faire chier. Bah, il nous rush, donc... Ouf. Ah, ce que ça m'énerve. Un healer. Plus de healer. Putain.
Pourquoi ça tire pas, putain? Oh, j'aime pas cette tourelle, elle me gonfle. Le truc, c'est de l'artillerie, donc t'es censé pouvoir tirer loin. Dès que c'est derrière et qu'il y a... Il y a un obstacle, oui... Ouais, le viseur, il existe plus, quoi. Il n'y a pas une caisse d'armes, c'est quoi, s'il te plaît ? Je sais pas du tout. Là-bas, je crois. On va déjà ouvert. Envoyer ma petite tourelle. Pas encore moi, quasiment. C'est bon pour moi. Je sais pas où est Ron. Pourquoi elle est down? Je sais pas. C'est quoi ce délire là? Peut-être trop proche de. C'est parce que je pense dans la zone d'impulsion du brouillard, ouais, donc elle s'est fait péter la gueule, j'ai eu la blague tout à l'heure. Bah quoi, on y est là dans la zone d'impulsion là? Ouais, ouais, ça doit être limite. Ouais, regarde ton. Regarde les bords de ton écran, ton interface là, ils sont en mode brouillage. Bah non, pas du tout moi. Ah, peut-être ici alors, ouais. Ouais, ouais, ok, d'accord. J'aurais dû la laisser là, c'est pas grave. Comme vous voulez. System reactivated. T'es barre à gauche, à droite. On. J'ai fait péter le drone sur le clébard. Ça c'est bon. Brouillage du centre est down. Putain, un snipe à gauche, Max. Ah bah parfait. Je suis en train de m'occuper de... Ah c'est bon. Bon, il est où le snipe, t'as dit, à gauche? À gauche, ouais. Je suis sur un des balcons, mais j'arrive pas à voir où. System disrupted. Grenade. Machin, il vole à 300 km/h, il y a un peu de temps. Wow, c'était quoi ça? T'as moyen de remonter au rond ou pas? À deux temps, ça. Wow, c'était quoi ça? C'est quoi ça en fait? Un sort de grenade. Ouais, ça c'était con, j'aurais dû te laisser passer le coin. Désolé. T'as pas ton drone qui découvre les ennemis, Max? Il a déjà été lancé. D'accord.
Oh là, oh là, Max. Ah, oh, ça m'énerve. Putain, super arme en carton, quoi. Il est où le Gus là qui casse les couilles en fait? Putain! Il a lancé la grenade? Ouais, non, non, le mec qui nous avoine depuis tout à l'heure là. Ils vont encore arriver à l'infini, je crois. Il va encore falloir aller péter l'autre merde là parce que. T'as quelques années pour les viser, c'est putain de drôle. Mais ouais, c'est what quoi, c'est sérieux. Vrai. Mais les trucs ils arrivent à une vitesse quoi. Ils vont pas aussi vite les nôtres. Non, 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 bah non, tiens. Bah tiens, allez, je suis encore mort, je sais même pas comment. Sur le. Pourquoi il va sur Oron ce connard? Parce quoi là? Ah mais putain Max t'es dessus pardon. Pas grave. Si peut-être grave. Ah oh ouais non mais là non 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 là non là non. Dis le Max quand tu vas sur lui parce que moi je te voyais toujours là où t'es en fait. Putain mais de où on s'est engagé, je comprends pas quoi. Ils arrivent à tirer à travers les murs, c'est pas possible. Ouais ouais, à travers la caisse en fait. Ok. Puis ça me saoule aussi, c'est comme dans le 1. Quand tu crèves et qu'il recharge le checkpoint, plutôt que de te remettre les munitions au moment du checkpoint, il te remet les munitions quand t'es mort. Quoi. Donc, ouais, par contre, j'ai une munition spéciale sur celle d'avant qui m'est pas rendue. Par contre, les ennemis, eux, ils sont bien rechargés, quoi. J'étais en l'air, je pouvais plus rien faire. Ah. Très intéressant. T'as un de drone, putain. Non mais ouais. Bah tu vois, avant ils spammaient les grenades, bah ils spamment les. Oh putain. Mais attends, mais que... putain. Il y a un truc que je comprends pas. T'es hyper focalisé sur les ennemis, t'as un truc qui t'arrive dessus.
T'as aucune information? Ok, lui, elle, je l'ai vu arriver, j'ai voulu tirer dessus comme un con. Je veux que ce crow ball trap, quoi. Oh, je commence à fatiguer, moi. Merci, Ron. Là, je pense qu'il faut aller chercher le machin. Ouais, on y va, on y va. Spawn en boucle, là. Il y a un clébard, allez, vas-y, c'est bon, moi j'y vais. C'est reparti pour une vague. Wow, wow, c'est mort. Plus de munitions et plus rien. Vas-y, j'y crois à mort. Boulot, c'est le job de ma vie. Ah, sud droite, il est down. Vous pouvez utiliser vos compétences. Fais-moi voir ta gueule. Mais putain! Attends, mais il se passe quoi? C'est quoi ce délire là? Je suis mort. Au rond, t'as un chien à gauche. Bon bah, je vais crever. Vous êtes down tous les deux? Non, non. Attention, y'a un autre mec qui arrive au rond. Ah bah, j'ai plus. Oui, j'y aurais plus rien. J'arrive. Bien joué. Merci. Ça va? Okay. Ouais. Moi j'ai plus que des munitions de shotgun qui ne me sert à rien ici. Retourne en arrière la caisse. Putain de kleps là-bas. Bien joué les gars, putain. Ouh. C'était touchy celle-là. Au moins ce qu'il pourrait faire c'est filer avant le dernier boss, tu vois, refaire le plein de tout le monde en munitions. Parce que là... C'est vraiment gadget en fait, hein. T'as une spécialisation mais au final ouais, t'utilises jamais ton arme principale, enfin ton arme bonus là. Bon, tu vas me dire je vais encore râler mais en plus elle sert à rien quoi. Ouais, moi j'ai pas eu l'impression qu'elle faisait beaucoup plus de dégâts que qu'une arme principale. Ça doit être buggé aujourd'hui, je sais pas, doit y avoir des lags, mais moi je vous assure que pour l'avoir testé hier tout seul, donc en plus tout seul contre les 50 000 mecs là... Je vous assure que je faisais des headshots à coup sûr à chaque fois, et les mecs jaunes, full vie, full blindage, une balle dans la gueule, terminé. Bah, ah ouais. Moi, ça leur... Enfin, nous, je parle pour moi, là, tu tires le mec dans la tête, ça ne lui fait rien, en fait. Rien du tout. Ouais, non, mais moi, je peux t'assurer qu'hier, ça lui faisait très, très, très mal. Donc, Ouais, peut-être. Parce que c'est un bug, ou du lag, ou je sais pas quoi, mais... Je sais pas, mais putain, moi, j'ai pas c'est eu chiant. Ailleurs, donc... Mais même avec l'arme normale en fait, hein, pas qu'avec la super arme, même avec le viseur standard, tu le mec il a 10 mètres, t'as le viseur sur sa tête, tu tires, ça lui fait rien. Let's go à gauche. Par contre là c'est bien parce que tu fais le boss final mais sans munitions de trucs spéciaux, ouais, ça tombe vraiment trop rarement. Quoi. Pas que ce soit abusé mais bon... Et hier ça tombait comme des petits pains quoi, j'ai eu que ça des munitions spéciales d'ailleurs. Oh joli.
Ouais, puis tu vois, des fois, tu vises la main et ça va le toucher. Ouais. Alors que d'habitude, non. Nouvel hélico, les gars. Il y a un jaune. Tu vois, et là, j'ai fait un headshot avec mon arme normale et ça l'a touché. Je comprends pas. Là, ça l'a pas touché. Voilà, je me suis foiré. Merde. C'est bon, joli. Je vais à droite. Ouais. Ouais, bon, ok, je suis déjà encerclé de partout ici. Oh putain, merde, dans le dos! Ouais, au secours, j'ai un jaune, au secours! Attends, on arrive. Vas-y, viens, on va sur Oron. C'est bon. Ouais, dans le dos, dans le dos! On a le boss sur la gueule. Il est down le boss, bien joué. Ouais. Ouais, il nous a couru après. Petite merde. Finalement, l'état, ça te pousse à garder tes munitions spéciales pour le boss final, mais bon, je vois pas l'intérêt de terrasser le boss final en deux coups de munitions, quoi. C'est quand même censé être le combat final de l'instance, le truc le plus... Enfin, bon. Ouais, Ah bon ? Il y a carrément un chien qui nous attend dehors, ok, d'accord. Il y a un robot, s'il te plaît. Quoi cette personne là? Oh! Quoi? J'aimerais bien un petit peu de soin s'il vous plaît, je suis au bord de la mort. C'est qui ça? Je vois un mec avec un club de golf. Bon bah écoute. Une bonne chose de faite. Oui. Par contre, j'arrête la division là. Ouais, same. Je vais me faire une petite partie solo d'un autre truc avant d'aller me faire un petit dodo. Je reviens. D'accord. Bon, et ben voilà ce qu'on attendait. Vraiment de la nouveauté. On a vraiment quelque chose qui se démarque de The Division 1. C'est nettement plus rafraîchissant à voir dans quelle mesure on pourra faire évoluer ce personnage élite, à voir si on pourra avoir les trois variantes sur le même personnage, si on sera obligé de monter un personnage par spécialisation. Encore plein de pistes à explorer, mais ce qu'on a fait ce soir fait vraiment du bien par rapport à ce qu'on a vu, en tout cas en ce qui me concerne, hein, pour mon avis, ce qu'on a vu précédemment. Voilà, j'ai trouvé que The Division 2 avait peut-être des points un petit peu trop communs avec The Division 1. Il faudrait idéalement qu'on aille faire un tour en Dark Zone. Il va falloir qu'on essaye de rassembler suffisamment de personnes, parce que la Dark Zone, seule ou à deux, c'est relativement suicidaire. Donc, y aller à quatre. Si on n'a pas la possibilité de le faire, c'est pas très grave. Moi, j'ai lu des...
des retours de joueurs qui disaient qu'on y retrouvait à peu près la même chose de, que ce qu'on retrouvait dans, la, dans Division 1. Ce qui sera vraiment différent, c'est le, comment dire, les spécificités. Par Dark Zone, on aura 3 Dark Zone, donc ça on pourra le voir que dans le jeu final. En tout état de cause, ce qu'on a vu ce soir, les spécialisations de classe pour le endgame, voilà, font vraiment du bien. La complémentarité entre les 3 spécialisations est intéressante, elles sont suffisamment différentes les unes des autres pour vraiment donner de la fraîcheur dans les styles de gameplay. Donc c'est positif. Voilà, en une soirée, moi je me suis pas réconcilié, j'étais pas fâché, mais voilà. J'ai quand même un petit eu la sensation d'avoir un petit peu de vent frais, voilà, dans cette bêta qui m'a pas convaincu outre mesure. En tout état de cause, un grand merci à Yoshi qui non seulement a follow la chaîne, mais en plus m'a hosté. Donc voilà, un grand merci à toi. Karen, merci d'être venu discuter également, d'avoir follow la chaîne tout autant. Et moi, je m'arrête là pour ce soir et probablement pour The Division, à moins, je vous dis, qu'on puisse rassembler suffisamment de monde pour aller faire un tour en Dark Zone, mais je pense pas que ce soit le truc absolument à tester de cette bêta, étant donné que très probablement on aura quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait sur The Division 1. Merci à tous ceux qui sont passés ce soir, j'ai évidemment pas les noms d'afficher là en tête, mais voilà, Yoshi et Karen, Yoshi d'avoir partagé ton stream et de m'avoir hosté, et puis pour les follow de Karen et Yoshi, voilà. À nouveau, je remercie, et ben, je vous souhaite une bonne soirée. À ceux qui verraient un morceau de replay, et ben, merci à vous, et ben, je vous souhaite une bonne soirée à nouveau. Je me répète, hein, je suis fatigué, ça se sent. Et puis je vous dis à très bientôt sur le live pour d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi. Ciao.